Si monsieur Amérique latino, je salue les compatriotes des États-Unis, je salue nous tous qui à travers le monde. Moi, je fais live ça aujourd'hui là. Moi, je fais live ça aujourd'hui. Moi, je dis nous depuis nous raté live ça. Automatiquement, nous pas vraiment. Ou même captain qui va le temps de la ça m'invite pour et non seulement cher live là mais save lui. C'est-à-dire save live ça parce que son live qui va gain qui va vraiment informatif qui va bon pour éducationnel tout pour nous comprendre une série de phénomènes. Et l'important même dit nous ça l'important parce que ça me va dire dans la ça ça me va montrer nous dans la ça. Ça va permettre de nous comprendre le monde là, comment le monde a fonctionné. Et question assassinat président coup d'État, conseil des bagages, faut nous comprendre. Vous comprenez? Oui, je salue monsieur qui est royaux. Ok, monsieur royaux. Monsieur Amérique Latino, monsieur Caraïbe, monsieur Dame, je salue nous en pile. En pile love. On va commencer avec nous peut-être. Et puis nous qui pas bien imbu de comment le monde fonctionner. Et on va dire que maîtriser comment le monde bien fonctionner 100% 100%. Même va laisser cher ça me connaît avec nous. Et à partir de là nous-mêmes, nous sommes capables de tirer pour conclusion par nous. Et ça va bah, nous, on y ouvre tout. Sur une série d'événements qui ont passé en dedans. Et Jimmy Bolivar, nous tout bloqué. C'est que nous déjà ouais son. Ou dit me dit trop mot sale c'est que beaucoup gens me comprennent nous sont au bon niveau aliénation la car qui trop parce que beaucoup car maîtriser ça les mots sales là ça veut dire m'a bloqué ou parce que beaucoup gens me comprennent toujours c'est-à-dire niveau aliénation la car ou à trop propre la empêche ou comprendre la moi ça veut dire m'a bloqué pour ça parce que déjà un petit problème parce que si beaucoup car résoudre problème ça ou les mots sales là parce que si dit mot sale quand on est ça ça lui dit qui est-ce qui qualifie un mot de sale avec dit sous pour qu'on connaît qui est-ce qui qualifie un mot de sale et pour qui raison qualifier le de sale ça veut dire son monde qui aliéné m'obligé bloquer ou pour aller ré pour questionner tête ou réinterroger tête ou vraiment sous problématique ça parce que pour qu'on résoudre toujours ou sont ils aliéné ou sont ils zuzu un petit jol pointu que yo pa qui poko même maîtriser les quelques notions élémentaires en matière linguistique pour qui raison yo qualifier quelques mots de sale et qui influence classe dominante la gagne. OK les pour qui raison yo qualifier tel mot de sale. OK c'est ça te fait tout avant de des fois comprendre que mot sauvage là yo te connait les nèg yo sauvage. OK yo te connait les mot sale bon raison qui fait que groupe hégémonique là qui est dominant et qu'on relé on serait des moun bo sale c'est-à-dire l'autre dit un mot qui sale c'est une façon pour yo capable mettre en position il fait partie de ce qu'on appelle un processus de diabolisation mot sale yo c'est pas moun qui sale qui inventé yo. OK mot sale yo sont relé mot sale yo c'est une classe dominante. OK, moun ki occupé position dominante dans la société a qui invente mo sa yo de façon à ce que yo ka utiliser contre moun ki pauvre de quoi pour yo ka faire société a diaboliser pour ka fò yo wo mal pour yo ka vil et vilipende pour yo capable détruire. Et c'est nous comprendre. Faut faire très attention avec question mo sa yo mo sale. Moi si moi c'est là ça veut dire que j'ai un petit problème quelque part bon la caillou
niveau d'aliénation extrêmement haut, nous beaucoup calibrer nous toujours. Est-ce qu'on comprend? De pour parler, yo catégorie, c'est un travail de catégorisation hier parce que des pour gain commencer qualifier de sale, bon l'autre côté pour qualifier de propre. C'est-à-dire en vertu de qui ça ou dit on bagaille sale et en vertu de qui ça ou dit on bagaille propre. Qui est-ce qui définit les normes? Qui est-ce qui établit? Qui groupe qui définit normes yo pour dire on bagaille sale avec on bagaille propre? Tout ça yo c'est travail de d'aliénation, de catégorisation pour mettre un groupe moun. Donc on ça veut dire du moment qu'on peut comprendre bagaille ça yo ou vinn gon comportement zizi et comportement zizi a son aliénation. C'est l'expression de forme aliénation et aliénation ça vinn permettre ou même ou vinn tourner yon sorte de ou pas même qu'on est soit aliéné et pour vinn a parler des mots sales par répéter mots sales ou dit trop gros mots. Ça veut dire ignorance nous vinn permettre nous river non point nous vinn formaliste conformiste. Et puis nous tellement formalistes, et puis nous tellement vins conformistes, mais nous pas comprendre que nous sommes des dominés, ou c'est des dominés, ou c'est des colonisés, ou c'est des aliénés, qui juste a reproduit de façon singée, ou a singé, mais tout, qui s'est mis là, aussi au Liban, au Capdou, mais qui ça qui est, mais qui ça qui sale, mais qui ça qui propre, mais qui ça qui bon, mais qui ça qui pas bon, ou un mot juste là, avalé, et pour avoir répété, ou vomi, ou dans le monde. Avez dit depuis au départ ou problématique. Bon, ou problématique au départ. So basically et normal, on balé sale parce que son beau sale moi. Parce que sou pas comprendre mot beau sale là. On va comprendre pour qu'ils ont balé sale. Bon sale va qu'on parler pour. Moun ki ou ont parlé qui soit disant qu'on parler propre, ce sont des moun que yo dressi. Moun yo éduqué, yo va parler propre. Parce que l'éducation c'est l'éveillement de l'esprit. L'éducation c'est une prise de conscience. L'éducation c'est un cheminement vers l'éveillement de la conscience humaine ou pas conscience de humanité, d'être humain, de dignité humaine. So basically pour parler de dignité humaine, pour parler de ça, faut comprendre que au conscient. Et pour conscient, lors du conscient, ça veut dire que, en quelque sorte, on connaît bien que, automatiquement conscient, on a une liberté. On va parler de mots sales, gros mots. Ça veut dire nous beaucoup pour changer, pour une bataille, pour changer la société. Nous beaucoup pour. Nous sommes dans le monde zizi pointi. Nous beaucoup comprendre. Nous loin toujours. Et moi le montrer nous on sait des bagages aujourd'hui hein. Moi le montrer nous on sait des bagages. Et il y en a un bagage oublié. Et nous toujours penser que nous former ou bien nous éduquer parce que tout le monde. Tu nous un petit bagage ou même peut-être qu'a parler de propre gros moyo. Moi même quand parler à voilà, j'ai fait mes études à Paris, un Panthéon Sorbonne. Je suis un Sorbonnard et un énarque de par formation. Je passé plus passé de 7 ans 7 à 8 ans à étudier à Paris. OK? Me côtoyer la culture européenne et d'une façon particulière la culture française, m'exposer aux bonnes valeurs, maîtriser la langue française et ceci de façon soutenue. Ou pas qu'à apprendre moins on sait des bagages par rapport avec Zizi. Non. Ou pas qu'à apprendre moins ça. Ou pas comprendre moins ça, ça veut dire un gros mot. Non. Ou pas qu'à apprendre moins ça. Ou pas qu'à apprendre moins ça, ça veut dire vulgaire. Là, un bagage vulgaire. Ou pas qu'à comprendre moins ça. Ça, ou pas qu'à apprendre moins. Ok? On va le montrer un petit bagage aussi simple pour commencer. Parce que vous savez, m'obliger. M'obliger à commencer à résoudre ces problèmes d'aliénation, mettez les points sur les i, tout d'abord, avant d'aller en profondeur. Je vais permettre de découvrir un homme qui va expliquer le comportement de ce qu'on appelle des intellectuels colonisés qui ont un comportement zizi. Mais vous savez que
li extrêmement dangereux ce genre d'individu. Mais ça pas étonné nous, puis ga nous ba tête nos problèmes parce que normalement yo pas conscient de ça. Et même nèg sa ou ka reproduit genre de comportement ça le plus souvent, ce sont des aliénés, mais yo pas connaît si yo des aliénés parce que yo parlé de trois mots français. Et yeah, me fin connaît. C'est normal oui et Inchallah la richengo saint fort ou bien saint fort oui me fin connaît. Et moi le faut tendre un petit bagaille, l'offre fin tendre. Le fin gati vidéo ça. Et puis qu'on y a là. Comment dire attendez bien. Mais non moi ou mais ou on comprendre que ou gon idée dans Zizi. Maintenant si gon idée dans Zizi, font ti garder vidéo ça et puis n'a pas aller plus loin. OK? Maintenant, j'espère vous comprendre vidéo ça, m'a fait entendre. Et, l'on finit comprendre vidéo ça, bien que dans le français, m'a traduit pour vous. L'on finit dans des vidéos ça, et puis, revisiter, soit ce dit, hein. Et puis, pour comprendre, dans quelle dynamique, pour inscrire, tout, entendez? Alright. Il faut entendre des vidéos ça. Tous les classiques, hein, qui étaient Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, bon, Malthus, plus ou moins. Tous les classiques de la création de la pensée économique intégraient une pensée sociale. C'était plus des philosophes sociaux que des économistes purs, comme on dirait aujourd'hui. Mais les néoclassiques, à partir de Léon Valras, en gros Auguste et Léon Valras, donc le père et le fils, milieu et fin du 19e siècle, vont inaugurer une espèce de pensée de la science économique qui se dit scientifique. Alors, se disant scientifique, elle se dispense de toute pensée morale ou philosophique. Donc, elle se vide de tout. Est-ce qu'on comprend ça, le dire? Se disant scientifique, il se dispense de toute pensée morale et philosophique. Faut faire très attention. Et ça, Michel dit à le fondamental. Et c'est un grand penseur qui a parlé là. Élève-moi, étudiant, me comprend ça, ça veut dire. Parce que me travaille sur ça déjà. Faut me soulever la problématique de la connaissance pour eux. Yo maîtriser ça m'a dit là ça monsieur a dit là monsieur font différence entre les sphères de connaissance et ça monsieur a soulevé là la montré une carence en matière de approche que nous qualifions de scientifique yo. Et monsieur a posé a mettre les points sur les i pour montrer que qui ça qui ont intellectuel ont vrai intellectuel et ça l'a soulevé là son gros problème que nous gagnons dans le pays d'Haïti. En dedans des messieurs toujours. Le souci qu'avaient les classiques jusqu'à Karl Marx, qui était le souci suivant, qui fait de l'argent? Pourquoi fait-il de l'argent? A-t-il le droit de faire tant d'argent? Et est-ce juste? Est-ce injuste? Est-ce bon pour la communauté? Est-ce mauvais? Donc il y avait une dimension éthique dans la pensée économique. Vous savez, il dit que il y avait une dimension éthique dans la pensée économique. Ceci étant dit, lorsque la pensée économique est privée de toute dimension éthique et morale, automatiquement, société a une bécope. Elle vient guidée seulement par une logique économique. Maintenant, vous ne pouvez pas poser les questions fondamentales relatives au rapport qui existait entre être humain en dedans société. D'où la problématique même de la viabilité de la société à long terme. Ça veut dire que Samuel a soulevé là, en tant que grand philosophe, l'a questionné la pensée économique dépourvue de tout approche, dimension philosophique, dimension morale, et m'te calé plus loin pour me dire de toute approche axiologique. Il est fondamental pour nous comprendre ça. Et ceci est très important dans Samuel à avancer là. On continue. Mais cette dimension éthique a été évacuée avec la pensée néoclassique. Laquelle pensée néoclassique a donné, a ouvert la voie, le chemin à la pensée néolibérale. Laquelle pensée néolibérale a ajouté à la pensée néoclassique, en plus de cette espèce de décret scientifique, nous sommes une science, donc nous faisons comme la physique, nous constatons que l'argent va de tel endroit à tel endroit, nous comptons, nous observons, nous classifions, mais... Pour le monde qui commence à comprendre, monsieur a essayé de faire la différence, bien entendu, entre les sciences dues, d'un côté, qui échappent, bien entendu, à toute approche axiologique, et les sciences molles, c'est-à-dire les sciences dites molles,
les sens sociales et humaines, qui sont les produits de l'esprit humain, et inscrits dans un contexte socio-culturel bien spécifique, automatiquement, ou pas qu'à qualifier de scientifique, en dehors de un cadre normatif, en dehors de un cadre axiologique. Et ça l'a soulevé là comme problème. C'est lui-même carrément ça que nos penseurs, ceux qui se disent intellectuels en Haïti, ont un problème avec elle. Et m'a montré nous ça. M'a ba nous ça en guise de connaissance pour m'a résoudre petit problème nèg ziz yo nèg qui propose depuis au parler français yo qu'on lit nèg cap propose depuis John yo pointi yo qu'on lit. Moi je vous dis déjà, je suis un boussal, je suis des nèg en dehors, je suis de la province. Maintenant pas penser que ou me parler des bouts de français ou intelligent ou bien malin, non, ça c'est une contradiction qui dans l'esprit ou même qui en dedans capital là, ou pas aussi intelligent. L'intelligence ne se mesure pas par capacité au monde pour parler en langue ou bien pour parler langue en colon. Non. Et monsieur Palmou trouve ça là. La réflexion est de notre ordre. La pensée même sont de notre ordre. Et c'est un plus gros problème nous avons en Haïti. Nous juste à pédé, répéter, singer, venir avec conseil des bagages, à calquer, imiter, et puis nous penser que nous sommes des penseurs. Non. Ou pas un penseur. Parce que l'esprit ou aliéné ou zuzu bouche ou printu, ça ne veut pas dire pour autant qu'on maîtrise un objet de connaissance. Du tout pas. Et monsieur va faire différence dans vous. Essayez de comprendre dans l'abdia. Nous gardons bien de porter un jugement, car la physique est une science, qui est la science des sciences, ne porte pas de jugement. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, hein, c'est multiplier l'argent. Donc plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que le général est mentor? Est-ce que nous comprenons ça, le dire? Il posait un problème de sens. Ou même, auquel doit venir au chita, là, en tant que philosophie, bah, tu vas comprendre ça, ça veut dire la problématique du sens. C'est-à-dire que, c'est pas parce que, yon moun riche en dedans société, que le fait que le procès des richesses, et puis yon l'autre groupe moun pauvre, le dit que le sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il faut des penseurs, il faut des hommes, qui ont un niveau de moralité extrêmement poussé, esprit aiguisé, pour poser problématique par rapport avec le comportement économique de certains acteurs économiques dans la société A, qui ont des conséquences néfastes sur l'ensemble de la société. D'où, c'est là que je suis posé comme problème comme fondamental. Et c'est un des plus grands problèmes que nous avons en Haïti qui fait nous arriver là. Comment se fait-il 5% on groupe moun en dedans pays gain contrôler 90% richesse en dedans pays, et puis vous avez des hommes qui se disent intellectuels normalement, et puis yo pas gain décence morale pour yo remettre en question comment nèg sa gain richesse yo, comment se fait-il pour yo concentrer richesse là dans yo. Ça c'est ce qu'on appelle une forme de bécropsie morale, c'est-à-dire ce sont des hommes qui sont en quelque sorte vidés de toute essence, de toute valeur morale en dedans société, mais cap pédé, pointé, jolio, fait par les français, propose intellectuel. Non, ce ne sont pas des intellectuels. Et monsieur pourra le qualifier homme ça, parce que le pas considéré comme des intellectuels. Je pense juste cet exemple, est efficace, parce qu'ils ont fait 23, 24 milliards de dollars de profit net dans la dernière décennie. Mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs. Alors, est-ce que ça a du sens? D'un côté, on dit généralement que c'est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine est plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr. Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, enfin, c'est quand même aberrant. Quand on a la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu, en gros, ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devons être de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement. Mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. Il y
Et on ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote déjà a dit, attention, ne confondez pas l'économique qui vient de l'oikos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique qui est créma athos, l'accumulation de l'argent. Alors ça nous amène à la question de l'éducation. En éducation aujourd'hui... Regardez bien, et d'où cela nous amène. Commencer avec Aristote pour poser la différence entre l'économie et finance. Moun ki des riches avec les cafés économiques qui ont rapport avec et la gestion du foyer de l'économie familiale. Faut comprendre bien, et monsieur vient arriver avec question éducation. Pour qui raison il parle vient avec question éducation, nous parlons wall système éducatif là en dedans pays en joué. N'a qu'un bêtis n'est pas grand à l'ennemi. Et la raison pour laquelle, en 1860, nous parlons pour quelle raison l'État pétion était obligé de signer l'accord, le concordat de Damien, avec l'église catholique, pour le permettre à ce que c'est lui qui contrôlait le système éducatif là et dispensait un modèle de connaissance qui visait à aliéner Tinek Matel Grenan pour, au détriment de propre réalité et propre identité. Et ça, monsieur Abdi, est extrêmement fondamental, parce que tout ce qu'elle pose là comme problème de sens, problème économique, problème social, ou pas qu'à générer, ou pas aborder vrai problème fondamental là, qui c'est le problème de l'éducation. D'où aliénation et éducation, ou pas qu'à traiter problème d'aliénation si ou pas poser problème d'éducation. Ça, c'est le fondamental. Est-ce qu'on prend le fondamental pour redéfinir programme, pour redéfinir. Or, qui dit éducation? Enseignement. Qui dit éducation? Dit et dispensation de connaissances. Ou à dispenser un savoir. Ou à dispenser aux connaissances. Or, qui dit connaissance? Qui dit penser? Mais deux outils. Besoin d'une langue. Ou besoin d'une langue. Et ou besoin ce qu'on appelle logique, raison. Et ou besoin les outils mathématiques. Ceci étant dit que si ou à dispenser un savoir, ou à dispenser yon connaissance, faut faire très attention avec langue que ou à dispenser savoir ça. Parce que langue, en quelque sorte, n'est jamais neutre. Une langue n'est jamais neutre parce que langue, c'est un outil d'expression de la pensée. On pense qu'à partir qu'avec une langue. Qu'une langue. C'est-à-dire que langue, pas genre neutre, l'ou à dispenser. C'est une raison qui fait que yon imposé l'état pétion, imposé la langue française comme instrument de domination, comme outil d'exclusion sociale, de façon à ce que pour yon pérenniser tête yon et maintenir ce qu'on appelle ti classe nek tête grenant de ce qu'on appelle non ces vicieux d'aliénation qui pour empêcher, bien entendu, revendiquer lui et puis renverser le système. Il faut comprendre ce dynamique ça que monsieur a développé à la, en avance. Jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote? Qui connaît Aristote? Qui lit Aristote? Alors, si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit... T'aimerais dire ça, me dit encore. Voilà une conception du système éducatif dans le monde occidental. Surtout en Amérique du Nord. Maintenant, quand vous avez quand on gagne des petits nègres qui allaient étudier dans les universités européennes, en d'autres termes occidentales, européennes, américaines et françaises et canadiennes, maintenant, nègre là, d'où que le gagne un doctorat. Mais cependant, il n'y a pas qu'on ait une vraie raison, institution éducative, ça. Maintenant, l'objectif premier de l'institution, ça, c'est préparer des individus, prendre le contrôle de l'esprit de ces individus à travers la dispensation d'un ensemble de diplômes pour le permettre à ce que système non pérennisé.
système mondial là pérenniser, maintenir l'hégémonie de l'Occident sur l'ensemble de la planète. Maintenant, lorsque vous avez un individu du tiers monde, un nègre, qui fréquente les universités européennes, et puis, la pointille jolie comme si, avec français Zuzu, le zuzutisme, maintenant, il se réclame bien entendu de la culture européenne. Il revendique les droits et les valeurs, la culture, le cadre référentiel européen et même et occidental. Et puis automatiquement, il vient dans un pays comme le nôtre, en Haïti, il retourne en Haïti. Et puis qu'on y a, il vient dispenser son savoir. Il vient commencer à parler de Aristote, il commence à parler des théories. Il a parlé de théorie économique, théorie et sociale, il a utilisé aussi. Mais cependant, ce qui est important, c'est qu'il n'a jamais questionné l'ensemble du savoir et de connaissances qui lui a été inculqué. Il n'a pas jamais interrogé pour comprendre à quel fait, quelle fin, quelle finalité. Et c'est ça, monsieur, qui mettait en évidence. La même mettait en évidence que, si monsieur Sayo, le plus souvent, il y a un diplôme, non, mais il y a sorti dans les universités occidentales, et puis il y a débarqué dans le pays, hein, et puis il y a éparpillé dans les universités haïtiennes, et puis automatiquement, il y a commencé à coloniser, si monsieur, nous, en Haïti, avec un ensemble de savoirs, de connaissances, que il y a même, il y a pas maîtrisé. Et ceci étant dit que, travail, ça y a fait, c'est un travail de reproduction, bien entendu, et de maintenance du système de domination de l'Occident. Faut comprendre bien, parce que c'est un pareil fondamental que monsieur a mis en évidence là. Et ça m'a dit, on a le droit de parler de tangent bizarre, parce que si me paraît, Jean, ouais, m'a parlé à, et puis me commencer, Jean, ouais, m'a parlé à là, m'a dispensé sa voix ça, et puis d'un autre côté, m'a fait analyser ça, et puis me commencer, me dit bobot, me dit zozo, me dit coco, me dit crec, me dit languette, me dit zococo, me dit calambé. Maintenant, on peut sentir que, bon, c'est le petit nec de maison, on peut le bien, on série de petits individus, avec l'esprit coincé, l'esprit annihilé, qui pourra sentir yo offusqué, yo pourra sentir yo estomaqué, yo pourra sentir yo gen problème avec pou, peut-être me dit bobot, zozo, coco, crec, languette. Raison qui fait comme ça. Le problème, c'est que yo gen problème avec moi, mais ils ne se sont jamais posé la question, à savoir comment se fait-il quand j'entends un mot, tant que bobot, me offusqué. Comment se fait-il comme tant de un mot, tant que crec, languette, me offusqué. Comment se fait-il que l'aime tant d'un mot comme ça, et puis estomaqué. Qui ça qui explique mes canis à la canouin qui fait ma depuis me temps des mots ça li bon problème. Mais comme tant des vagin li pas trigger rien la canouin, comme tant des pénis li pas fait aucun effet la canouin, li pas trigger rien la canouin. Ceci étant dit, c'est dimension à l'élation ça que monsieur va le montrer. Ce sont des cérébrés colonisés qui en quelque sorte des chimpanzés qui vini sous une forme de paraître sous forme intellectuelle, mais ce sont des chimpanzés que vous voyez, bah, nous, avec un ensemble de savoirs, ils ont aliéné, et puis il y a pas les français, ils ont le pointu, il y a perpétué domination mentale là, domination, colonisation mentale là, dans la société haïtienne là, et puis qu'on y a, ils ont privé nous de toute portée, de tout sens, qui pour identitaire, qui pour permettre nous revendiquer droit nous. Et c'est toute la problématique de l'haïtien. C'est toute la problématique de l'haïtien. Et c'est un des plus grands problèmes nous gagnons en Haïti actuellement. Et moi, c'est commencer débat ça, je dis, analyse ça, avec question éducative et éducationnelle là. Pour qui raison aborder? Parce que en Haïti, nous toujours gon gros série de problèmes que nous pas jamais poser. Parce que les problèmes identitaires sont beaucoup plus importants que les problèmes d'ordre économique et social. Et y'en a une raison qui fait, y'a un petit groupe 5% n'est qu'à maîtriser, qu'à contrôler 90% richesse dans le pays. Et puis, sans que 95% moun, n'est que noyé de pas jamais lever les petits doigts, pour yon remettre en question, pour yon chambre des systèmes. Non, c'est parce que, n'est que yon juif, si 5% ça, juif de ce qu'on appelle, yon avantage, yon privilège, que, ti n'est que noyé de gren, non, a toujours été aliéné. C'est cette garantie, que ti milap, yon 5% gain. Yo pas peur, yo vraiment peur ti nèg doit être grenan, mais depuis yo connaît ti nèg doit être grenan aliéné, ti nèg doit être grenan zuzu, ti nèg doit être grenan joli pointu, yo pas peur, il n'est plus une menace. Désormais, il est pas une menace parce que lorsque le nèg est blessé, lorsque le nèg est singé, lorsque le nèg est apprivoisé, automatiquement il est pas un adversaire encore, il est devenu l'ennemi de sa propre race. Il est devenu l'ennemi de monde qui semblait avec, mais pour le dominateur, pour celui qui le domine, qui contrôle les cerveaux là, il n'est pas en menace, il n'est pas en danger. Et c'est toute la garantie système là.
Et c'est ça que j'avais expliqué là. On dit d'espèces de bipèdes pensants qui... Les réléos bipèdes pensants. Ce sont des bipèdes pensants. Faites très attention. Ça veut dire à fondamental pour nous comprendre ce qui passe en Haïti, le comportement de ti classe moyenne nous qui campait cap sacrifier Jovenel Moïse non. Et m'a dit ça pour nous comprendre bien. Et pas pour sans raison lorsque yo fin assassiné des Salines, yo qualifié Pétion monsieur Mulat, yo qualifié des Salines de dictateur et yo officiellement l'état Pétion interdit à ce que yo cite non des Salines dans le pays pendant 50 ans. Et le nègre les descendants moun qui semblait même des Salines, yo accepté domination ça, yo accepté pour yo pas citer non des Salines pendant 50 ans en dedans pays. Est-ce que nous comprenons la dynamique ça? Comment se fait-il? Un petit groupe nègre, un petit groupe mulat, tué des Salines, yo interdit yo citer non des Salines pendant 50 ans. Pendant ce temps nègre yo en dedans pays, yo était majoritaire. Nègre majoritaire pendant que yo majoritaire Yo accepté yon petit groupe mulat qui pas représenté même 3% en de nos populations haïtiennes à l'époque imposé yo pour yo pas accepter pour yo pas citer non des Salines. Nous trouvons son bagage qui simple, non pas aussi simple. C'est l'effet même de l'aliénation. C'est la domination, l'esclavage mental en quelque sorte. Ou capable de dire 50 ans, trouver son bagage jouet. 50 ans, c'est déjà, l'homme était 25-25, c'est déjà deux générations d'hommes, de nègres, qui passaient, qui pas jamais remettre en question. Et qui pas jamais remettre en question, comment se fait-il? Yon petit groupe minorité nègre, interdit, yon petit groupe minorité mulat, interdit, 80% majorité peuple haïtien, ti nègre, batte green, cité non des Salines dans le pays. Et pendant 50 ans, effectivement, yon nègre pas jamais cité non des Salines. Ouais, il faut comprendre dynamique ça, si pas comprendre pour qui raison. Journée jodi ouais Jovenel assassiné, j'en assassiné a et le petit nègre de la capitale. Petit nègre, petit esclave domestique capitale là, le petit aliéné, l'intellectuel c'est décérébré. Il est obligé entrer dans Zizu pour assassiner le caractère du président et même craché sur le cadavre du président de la République. C'est le pire bagaille qui est arrivé à un être humain. Non, par contre, qui est souillé? Ils n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité. C'est ce qu'on appelle former des employables. C'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Faites très attention à ça, M. Abdila. Ça, M. Abdila, très fondamental. Parce que M. Abdila... À remettre en question le rôle de l'école de l'éducation dans une société de type capitaliste. Comment y a préparé un bipède pour y aller sur le marché du travail. Et c'est ça que fait l'homme m'attaque et m'a parlé de classe moyenne qui a un petit job. Non, mais, Milati ou Libanéa, comment ils sont devenus dangereux. Raison qui fait ils sont devenus dangereux, c'est parce que ces individus, ce sont, ils victimes de ce qu'on appelle ce que le système, l'employabilité. C'est-à-dire, ce sont des individus avec cerveau, yo, à l'envers, yo juste entré dans une dynamique pour yo intégrer le marché du travail, sans pour autant, yo pas rendre compte que yo dépourvu de la capacité à produire une réflexion critique solide vis-à-vis du système que yo, qui peut mettre manger sous ta bioa. C'est fondamental, ça, Michel Biala. C'est fondamental. Et ceci est caractéristique même de la société haïtienne que nous gagnons actuellement là. C'est fondamental. Oui, il est fondamental. Et où pas attendre ça, quoi, dit, on a les piles au bout d'un nez. Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine? Faites attention. T'as des mots, dit, que serait l'humanité? Il y a une grande différence entre homme et humain.
On est tous des hommes, mais on n'est pas tous des humains, automatiquement. Parce que pour être humain, c'est un devenir. C'est tout un processus. Parce qu'il faut savoir être exposé à une culture, avoir une identité, une culture. On prend un ensemble de savoir, cette capacité d'analyse et de jugement, à pouvoir produire une réflexion, jouir de ce qu'on appelle une liberté de penser, en aidant un système pour venir être humain. Ou sont hommes, mais on peut pas être humain. D'où, pour venir humain, c'est le rôle de l'éducation. L'éducation éveille l'esprit. L'éducation permet tout vide humain. C'est-à-dire, là où humain, c'est-à-dire replacer l'homme, l'être humain, au cœur de des préoccupations économiques et sociales. C'est-à-dire que l'économie n'est pas là pour enrichir une petite minorité, mais maintenant, soit poser le problème économique de point de vue humaniste, ou pour aller où qu'on y a, ou après, et, ouais, économien, comme problématique, parce que, il y a un ensemble de monde, en dedans de la société, là, qui dépourvu des minimums nécessaires, pour être capable d'assurer subsistance. D'où, l'homme, l'école, qu'on s'en qui pas qu'on voit, automatiquement, l'école, là, lui-même, qui ça le fait en Haïti, notre système éducatif, qui ça le fait? Lui pas préparé des hommes pour venir des êtres humains, mais lui préparer ce qu'on appelle des employés. Lui préparer des aliénés qui pourraient intégrer le marché du travail. Et c'est eux-mêmes qui ont vu les classes moyennes. C'est eux-mêmes qui viennent plus dangereux. C'est eux-mêmes qui viennent aliéner aux zizi, bouche au pointu. Parce que système n'a détruit capacité pour y reproduire une réflexion solide en dehors de cadre référentiel que système n'a imposé. C'est-à-dire que un enjeu fondamental, c'est que l'éducation, Pierre Bourdieu nous a, la reproduction des élites, comment l'éducation, l'ensemble appareil idéologique, ça, joue un rôle déterminant pour reproduire et maintenir le système et le statu quo. Ceci étant dit, il est extrêmement important pour comprendre dimension ça. On se prépare à devenir, à intégrer le marché du travail, sachant pertinemment que marché du travail, là, que classe économique, là, qui concentre richesse, là, non, mais dans le pays, là, lui, pas qu'à employer que 20%. Et 20%, ça, que l'employé, là, c'est 20%, ça, qui vient dangereux, c'est l'élément des diplômes, c'est l'élément de CVA, c'est l'élément des, mais ça, yo, même, lui, connaît préoccupation, et 20%, ça, qui pourra le former ce qu'on appelle classe moyenne, non, la préparer, yo, parce que yo, sans identité. Et c'est ça, monsieur, à poser là. Ou pas qu'à gagner identité, puisque vous êtes aliéné. Ou pas qu'à gagner identité, puisque vous n'êtes plus humain. Et c'est ça qui explique le comportement de ces petits esclaves domestiques qui, normalement, en dans la société haïtienne, non, l'autant de masse là, a revendiqué d'oual dans la rue, ces petits aliénés, ces bipèdes pensants, ils ont campé qui ça a dit. Yo traité moun nan masse là, yo traité moun ka manifester yo de moun sale, de moun laide, de moun ki pa konn parler, de moun ki pa konn li, de moun ki illettré parce que ce sont des aliénés. Et li fondamental pour nous comprendre ça. Sans Victor Hugo, que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde, c'est-à-dire qu'au niveau... Faites attention, c'est un professeur, hein. Son professeur qui a parlé là, il enseigne dans les plus grandes universités au monde. Faites attention. Et pas n'importe quel cérébral en Haïti qui a radoté, qui relit tête intellectuelle. C'est un penseur, c'est un professeur d'université, surtout les universités occidentales. Il a fait un constat. Et à partir de cette observation, il tire en conclusion et la porte conclusion ça à notre connaissance. Pour le permettre que nous, au moins, nous capables d'éveiller conscience nous par rapport avec dynamique que nous trouvons nous journée aujourd'hui en dedans société haïtienne. Faut ne comprendre pas n'importe nèg qui vient parler dans figi moun là. Non, faut qu'on qui est-ce qui là qui a parlé là. Ay nous toujours avoir monter chita radoter on sait des intellectuels bouda crabe en Haïti qui pas même maîtriser les notions élémentaires en matière de philosophie whatever ils disent et puis nous prend un paquet de causes qui a parlé français John petit Jésus mais lui malgré il maîtrise la langue française mais
au moins où est son nègre qui a parlé. Ou au moins, il maîtrisait ça l'a dit. Au moins, il maîtrisait ça l'a dit. Faut comprendre bien ce qui a passé à là. Plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates. C'est-à-dire des gens qui, des technocrates analysants, qui sont formés. Regardez bien, des technocrates à analysant. Faites attention, ça le dit aussi, c'est vrai. En Haïti, dans l'appareil de l'État, nous avons beaucoup de technocrates. Si on a le nez qui a manipulé les chiffres, ou je ne les statisticiens, ce sont des technocrates. Nez qui a planifié, ce sont des technocrates. Mais ce ne sont pas des penseurs. Il ne faut jamais confondre technocrate avec un penseur. Un penseur, c'est un visionnaire. C'est celui qui réfléchit sur la société dans sa globalité. Qui a essayé de trouver une solution au problème, au phénomène qui se présente. Mais un petit technocrate, c'est un manipulateur de chiffres. Un petit technocrate, c'est un nègre qui vit ni qui économie des finances, qui montre comment la fluctuation économique au fait, comment mouvement économique au fait, comment chiffre au bagaille. C'est ça, le technocrate. C'est ça, fait où est technocrate, là, mon mot très là-dedans. Qui est les techniques, c'est-à-dire que qui maîtrise les techniques de communication, les techniques non technocrates, c'est ça, ce sont des spécialistes dans tel domaine, mais qui ont quelque sorte de pourvu de la capacité de penser, de transcender la réalité économique pour pouvoir cerner la société dans sa globalité, dans une dimension holistique. Et c'est tout le problème ça que monsieur a soulevé là. Analyser des problèmes, problem solving. Et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Attendez, ils ont fait nèg yo quoi qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont fait du problem solving. Effectivement, c'est vrai. Parce que nèg ça, c'est le parler au service de l'économie capitaliste. Moi-même, moi, mes amis, j'ai dit à la, et m'a dit non, si bagay yo dit à la, ou est live ça m'a fait là, yo dit à. Normalement, c'est live, c'est bagay, live ça m'oblige à faire pour le contexte nous y est en Haïti. Nous faisons pour nous capables d'avoir une idée, une bonne compréhension de l'événement qui passait et surtout l'assassinat du président Jovenel Moïse et comment, depuis 4 ans, les médias, l'appareil idéologique de la classe dominante, ils ont préparé l'assassinat de Jovenel. C'est ça que fait, ils ont préparé avec une série de mots qu'on a utilisé. D'où la puissance des mots. Lors nous t'allais alors un gars qui dit utiliser gros mots. Faites attention. C'est ça que fait, ils ont utilisé le mot dictature. Dictateur là, li important parce que avant que ou détruire un monde, il faut que ou gagner ce qu'on appelle guerre psychologique là. La guerre psychologique est fondamentale parce que du moment qu'on fusille ou qu'on l'ovine assassiner Jovenel, c'est normal là pour la classe moyenne, c'est riche pour yo cracher sous cadavre là parce que yo te gétant préparé classe moyenne qui sont classe aliénée pour yo capable cracher sous cadavre là parce que yo te gétant utiliser tout l'appareil idéologique. C'est-à-dire les médias, radio, télévision, et puis ça ouais les réseaux sociaux, et puis ça ouais l'église, l'école, yo t'es guettant et bourgeoisie qui représente 4%, 5% de la société, yo t'es guettant utiliser tous ces appareils idéologiques de façon à ce que yo t'es capable de diaboliser le président. La diabolisation du président, il fait partie bien entendu de yon mécanisme de et qui vise bien entendu à détruire pour détruire le monde, yo diaboliser, yo démoniser. Ça c'est première phase dans un processus de déstabilisation et puis pour détruire après. Automatiquement, monde qui pas passé dans qui pas étudié bien l'esprit au coin, c'est pas comprendre ça m'a dit là non pour l'instant. Faut yo détruire normalement symboliquement, faut yo détruire au niveau de la pensée, faut détruire au niveau de la société, c'est-à-dire à travers les appareils parce que pas bien appareil idéologique, c'est ça yo contrôler, yo contrôler la pensée, yo contrôler comment moun réfléchit, yo contrôler l'opinion publique. Maintenant puisque Jovenel Moïse a été déjà assassiné au niveau de l'opinion publique. Maintenant, lorsque on va assassiner monsieur physiquement, il ne fait aucun doute que Jovenel, et classement, elle n'a pas baillé sa problème pour lui parce qu'il était déjà assassiné au niveau. Elle a dit, on était préparé nous mentalement, il a préparé nous au niveau psychologique, il a préparé nous au niveau mentalement de 4 ans pour nous être capables d'accepter et approuver et même cracher ce cadavre de Jovenel, les tuer physiquement. Faut faire très attention pour comprendre l'importance ça oh. Parce que son analyse systémique m'a fait pour toutes les petits esprits ne qu'après les têtes yo on prend et ceci c'est là on prend mettez-vous de côté on continue. Alors que l'intelligence ce n'est pas le problème solving. L'intelligence c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent
c'est celui qui formule le problème. Est-ce que nous comprenons? Et c'est effectivement c'est ça. L'intelligence, c'est celui qui formule le problème. Il y a un monde qui est intelligent, c'est un monde qui formule un problème. Par exemple, moi-même, moi viens avec thématique dictature politique, dictature économique, pétionniste, milat, syro-libanais, 1806. Je choisis thématique. Ça, c'est un problématique. C'est un problème, il me formule un problème. C'est-à-dire, moi, soulever une thématique, me soulever comme problème. Ça, c'est une forme d'intelligence. Parce que là, automatiquement, incite à réfléchir, incite à penser, moi incite à revisiter la réalité socio-économique et politique et même historique de notre société sur l'autre angle. C'est-à-dire, moi problématiser yon bagay. Mais ou même le gars de mon groupe moun chita y a répété une série de bêtises. En dit dans la société, y a, nèg la fait problème solving, la parler de ceci, la parler de cela. Non! Ça, c'est gymnastique cérébrale, qu'a fait, c'est masturbation intellectuelle, mais moun n'a pas jamais problématisé. Y'en a plus grand problème qui vient, c'est que, l'homme parle de dictature économique, non, moi, déplacer le concept dictature, moi, déplacer le moins jouer avec, moi, transférer le, non, économie, pour m'expliquer une réalité, pour me décrire une réalité. Maintenant, gros problème, et sémantique qui posait, est-ce que l'y gagne même sens avec l'alternant politique, là? Là! C'est ça, un concept qui doit apprendre, moi, manipuler, moi, concept, un concept, c'est un outil de, opérationnel au niveau de la pensée. Ça, je dois apprendre, moi, manipuler, et puis me transférer, moi, ballon l'autre sens, non, l'autre réalité. Mais ça ne disconvient pas que ça l'a décrit, champ que l'a décrit, réalité que l'a décrit, son réalité que me besoin paraître pour me présenter comme, yon, à travers concept là, pour capable cerner problématique que m'a pas avancé. Le met en énoncé, qui le met en termes de lien et de combinaison, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se... Comprends bien ça, le dit à là. Élève-moi, comme étudiant, je connais ça, m'a dit à là, parce que yo dans la classe, je connais bien ça, m'a dit à là. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problème solving. T'as dit ça, le dit intelligent. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème. Et c'est énoncé. Et c'est une raison qui explique, je vous dis, que combat que nous menons au niveau de mouvement noir esprit libre, ou un discours noir commence à résonner. Il faut comprendre que notre discours, qui consiste à mettre, à problématiser la dictature économique pétionniste, milatio au Liban et dans le pays d'Haïti, nous construit à partir de, ils ensemble pour élaborer, ont énoncé pour nous transmettre, nous, elle commence à raisonner. Maintenant, pour comprendre dynamique ça, ou obliger, normalement, venir pour moi, de me qui ça me chape parler, c'est pas un bagage où j'en t'es habitué, tendez, c'est pas un bagage où t'es j'en tendez dans la bouche intellectuelle, n'est-ce qu'ils ont utilisé des concepts, ils parlent de, rupture, ils parlent de prise d'otage, économie en prenant otage, ils ont utilisé d'autres concepts pour évader questions. Raison qui veut m'utiliser dictature, on va utiliser otage, on va utiliser moussa, parce que me besoin montrer, on fait un parallèle, me besoin faire un parallèle pour montrer que, les nègres là parlent de dictature en politique, ça ne disconvient pas pour qui raison quitter dans l'économie hein, ou échapper. Parce que les concepts économiques, le plus souvent, ils paraissent surtout dans le contexte, dans le système capitaliste, ils toujours paraissent comme neutres. Ils ne sont pas neutres, on est en sciences sociales. En politique, en sciences politiques, lors du dictature, tout le monde connaît son mauvais bagage. Lors d'une dictature en économique, en politique, tout le monde a bâti tête au problème, c'est un mauvais bagage parce que lui contre la liberté. Au lieu de vous dire dictature par une liberté d'expression, par une liberté ceci, par une liberté cela. Mais comment se fait-il au niveau de l'économie? Comment se fait-il au niveau de l'économie où transférer concept ça et les dictatures au niveau économique? Est-ce que des libertés économiques? Comment se fait-il qu'un petit groupe moun, un petit groupe famille, un petit groupe moun, c'est seulement qui a accès avec l'économie, hein, qui contrôle les richesses pays, hein? Quand un diaspora ou bien un étranger vient pour l'investir, il crée une crise dans le pays, il tue, il crase tout le bagage, de quoi pour moun n'a pas investi. Ça veut dire, liberté de marché, à liberté économique, là, n'a pas existé dans le pays d'Haïti, parce que un groupe moun qui contrôle l'économie en d'où la même problématique, là, on se voit un rapprochement, ou capable de ces mêmes bagages-là qui existaient dans les deux sphères d'activité, dans ces deux sphères d'activité. Que ce soit la politique et l'économie. On poursuit. Qui le met en termes de lien et de combinaison qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, c'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire.
Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul. Et pas j'oublie ça, des technocrates analysants. Ce sont des gens qui maîtrisent des techniques de calcul. Comment bien ça va dire ça veut dire le fondamental pour ne pas prendre pour ne pas tomber dans ces des qui se disent intellectuels et puis sont dans le bipède pensant yoyé analysant et puis qu'après adopter dans qui confondent penser réfléchir avec analyser et calculer. Ils prennent des décisions sans état d'âme du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de 1 000 ans de salaire et dire je souffre en plus. Je prends des décisions difficiles. Mais ça c'est des non humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire je ne suis pas un être humain. Faut camper là. Mais je n'ai pas arrivé sous point ça côté monsieur. Monsieur moi il y a une dimension philosophique qui est extrêmement élevée. Peut-être nous devons pas cerner ça monsieur dit là dans la dimension philosophique. Il y a des décisions que un être humain, un individu prend. Lorsqu'il y a des décisions ça, pas y a aucune caractéristique relevante pour qualifier ça, moun sa donc être humain. Cependant, c'est un homme, bien entendu, qui a pris la décision, mais lorsqu'il y a ou analyser étudiant, ou observer, ou analyser décision que moun nan prend, ou pas jouer aucune trace d'humanité là-dedans. Ceci étant dit que moun sa lui-même, lui pas humain. Élève-moi yo comme ça. Les maps dit élève-moi yo, faites attention. Lorsqu'on moun vient parler au lit de la science, l'idou la parle avant et puis l'idou soit objectif. C'est-à-dire que l'idou comme ça pour faire taire toute émotion la caillou, pour faire taire tout sentiment la caillou, maintenant pour faire appel à la raison, c'est-à-dire le logos. Pas oublier l'avènement de la raison, d'où la modernité, l'avènement de l'individu, de l'homme économique, attendez bien pour nous comprendre ça, on dit là. L'avènement de la raison, du bon sens, de la logique économique. Maintenant, l'homme moderne est dépourvu de sens dans ses actions. Gagne une absence de sens avec la modernité. Pour quelle raison? Parce que le comportement individualiste de l'homme moderne à l'intérieur de la société est problématique par rapport avec ce qu'on appelle le vouloir vivre ensemble en dans la société. Parce que le comportement de l'individu, c'est-à-dire ça nourrit les individualistes en quelque sorte, c'est un bagage qui contraire avec toute démarche toute dimension éthique, morale et philosophique et même métaphysique de une société. C'est-à-dire le comportement de l'individu individualiste dit toujours aller dans le sens pour saper les fondements moraux, les fondements moraux, les fondements spirituels de toute société qui, en quelque sorte, se veut viable, juste. Et c'est là que société haïtienne est arrivée. C'est l'avènement de l'individualisme en dedans société, hein. De l'homme rationnel, de l'homme qui se veut objectif, indépendamment de toute humanité, de toute sensation, de toute émotion, de toute vie, leur analyser le comportement de ces individus dans la société haïtienne, où il n'y a pas aucun, il n'y a pas humain. Comment un groupe moun pendant 200 ans concentré 90% richesse dans le pays? Ce comportement économique n'est pas humain. Comment vous voulez un petit classe moyenne parce que nègla gen dégoût de nom, parce que nègla li même li c'est journaliste, li prêt pour le bail moun menti, li prêt pour le manipuler l'opinion publique. Ce comportement n'est pas humain. Ce sont des animaux qui, en apparence, a parlé tant que des humains, mais ce ne sont pas des humains. Parce que ces individus-là, yo bécrop moralement et yo bécrop spirituellement. Et c'est un gros problème qui pose là. Yo bécrop moralement, et au backup spirituellement et comportement moun sa yo, c'est eux même qui rivé là et c'est ça pour permettre de comprendre que même lors des problèmes à Jovenel ou pas qu'à remettre en question problème que Jovenel t'a soulevé yo. Et c'est toute problématique ça qui vient river dans la société qui explique journée aujourd'hui comment faire des deux groupes sur réseaux sociaux à cap bataille. Yon groupe de côté qui ouais Jovenel à travers discours qui commence à venir découvrir Jovenel parce qu'il a assassiné. Et pour qu'on l'autre groupe même, qui en quelque sorte était de façon mitigée, pour la simple bonne raison, il aurait rendu compte que l'acte abominable, crapuleux, on prend lâche que il a fait sous Jovenel Moïse, en quelque sorte l'acte ça, il est condamnable au premier degré. Mais non, il ne disconvient pas au niveau politique. Il y a des questions capables de poser par rapport à la manière de gouverner de Jovenel Moïse, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal dans son vivant, on peut s'interroger encore sur les décisions politiques que Jovenel te prend et en dedans pays et sur les réalisations des promesses qu'il te fait avec peuple là. Ça, c'est une question de légitimité.
Elle a dit légitimité si dans une société qui se veut démocratique, on pourrait aller dans les élections et pourra remettre en question, puisque monsieur pas arrivé concrétiser bien entendu les promesses qu'elle était bah là, maintenant quel que soit mon dieu, on pourra aller ou pas sanctionner à travers les urnes. Mais le problème qui se pose là, je dis à la problème qui pose là, c'est pas un problème si Jovenel était bon ou pas, c'est un problème de moralité et de sens de la vie humaine qui posait. Et c'est là tout le problème. Et c'est là mort de Jovenel Jounet Jodi en tant que premier citoyen d'un pays qui exposait non seulement l'hypocrisie de la société haïtienne, de notre élite politique et sociale, mais qui exposait tout le niveau d'aberration qui existait en dedans, l'esprit net nous relé intellectuel en dedans et nous relé classe moyenne. C'est fondamental pour nous comprendre ça. C'est fondamental. On poursuit. Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain. Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines. Depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capable de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse, c'est la machine qui dit si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? Bien, on ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes. Parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. Est-ce qu'elle entend les amis, je veux dire? D'où l'importance pour comprendre pour quelle raison n'est-ce qu'il y a intérêt qui est 80% peuple là par contre lit analphabète. Parce qu'en réalité, bien entendu, si on commence à retirer pour apprendre à lire et écrire, on va commencer par poser des questions, on va avoir une problématique, on va avoir une constitution problème pour société, pour classe dominante là, parce que qu'on y a, on va l'éveiller, qu'on va commencer à poser des questions. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il y a besoin tout simplement tout on animal que y a guidé à gauche à droite. C'est peut-être ça il y a utilisé la politique du dressage au lieu que y a éduqué ou. Parce que si y a éduqué, il y a pas l'exposer, il y a pas éveiller l'esprit ou. Il y a pas permettre qu'on lit qu'on écrit. Maintenant, il y a des capacités, il y a pas faire appel à votre faculté pour capable poser des questions, interroger. Bah, c'est si y a pas voulu interroger, pas voulu réfléchir, pas voulu penser. Yo voulait tout simplement absorber, yo voulait tout simplement répéter, yo voulait tout simplement ou singer. Il dicte les normes, il dicte le comportement idéal. Yo dit mais qui ça qui bon pour société ya. Yo dit mais comment on doit y est. Yo dit mais qui comment comportement doit kenye. Mais ça yo considéré comme vrai, mais ça yo considéré comme bon en dedans société ya. Et puis il yo dou vous n'avez rien d'autre qu'à faire. Yo ou pas là pour réfléchir, pour poser des questions, on juste adhérer, fouer tête ou la dame et consommer et comporte tel que j'en ai demandé pour comporter là. Pas poser question. Et à remarquer, qui est-ce que nous pensons qui a un comportement ça? C'est la classe moyenne. Et classe moyenne, notre conseil. La classe moyenne, pas j'en poser question. Classe moyenne, non, c'est juste entrer, défendre un petit pen, construire un petit caille dans le béton, ou l'on tire à 4, et puis automatiquement, lui pas poser question. C'est son classe. L'homme dit nous, c'est classe qui pille dangereux, à nous penser c'est jouet. C'est classe qui pille aliéné, et c'est sous lit que et c'est sous lit que Milati au Libanais fait capital. L'aime parler de analphabète là, m'a parlé de analphabète moun 80% masse paysan ne pas connait. Non, au contraire, ces individus, ces hommes là dans masse paysan, yo konn yo gen intelligence malgré yo pas exposé, yo pas dans l'école. Non, m'a parlé de analphabète que l'école nous yo formé.
que l'école système éducatif yo dressé analphabète là dans du classement en cap travail dans pour milatio libanais ce sont des analphabètes oui faut comprendre l'homme on fait partie de classement ce sont des analphabètes même les gouwe qui en dedans université même les gouwe qui en dedans journaliste ce sont des analphabètes oui faites attention on est analphabète oui analphabète pas veut dire parler français non en Haïti nous confond les choses. Parler français, pas vouloir dire ou qu'à penser ou qu'à réfléchir. Non, faites attention. Parler français, pas vouloir dire faire zizi diol pointi. Non, ou faire zizi diol pointi pour qu'à jeune un passage, pour qu'à sous son mante, pour qu'à mettre un petit d'albéton sous caillou, pour qu'à jeune un petit bout de visa, pour qu'à jeune ceci, pour qu'à ou l'on rafkat. Ou sont analphabètes. Moi, nous sommes analphabètes. Mais on plus dangereux parce que c'est sous dos, c'est sous où que mulati au Libanais, chita, hein, des garanties pour qu'à pas perpétuer le système, non. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses finies, ils vont se mettre à poser des questions, ils vont se mettre à se syndiquer, ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes. Qui savent. Faites attention, qui sont diplômés. Et ça va, Abdoulaye. Qui sont diplômés, mais qui sont analphabètes. C'est-à-dire que l'on a parlé d'analphabètes en Haïti. Ou pensez que c'est mon paysan ou pas connu. Non, les paysans, quelque chose, ils ont une intelligence. Avantage paysan, il n'est pas exposé. Il n'est pas exposé avec le système du dressage, ça. C'est-à-dire, l'esprit paysan était vierge, en quelque sorte. Il est imbibé dans la culture de la paysannerie, qui fait de lui-même, en quelque sorte, un haïtien en dehors. Et en tant qu'haïtien en dehors, il a une capacité pour le questionner avec le sens commun. Il fait usage du sens commun. Ce qui est tout à fait contraire avec ti aliéné, diplômé, ça, analphabète, qui a un diplôme dans le monde là, qui a une université haïtienne a pompé par nous. Handicapé mental, handicapé intellectuel, ça y est. Que l'université haïtienne, y'a banou, l'école, y'a banou. C'est pas dangereux. C'est un plus grave. Et à remarquer, y'a pas comportement, ça y'a regroupé dans la capitale. Moun ça y'a regroupé dans la capitale. Y'a bataille entre eux pour des opportunités. Et le pire dans tout ça, y'a dit toute forme de ruse qui gagne. C'est ça qui explique absence de moralité et absence de comportement noble et de caractère à la caillou. Pour qui raison? Parce que ce sont des dressés. Et puisque y'a dressé, ou après comportement y'a dans le capital là, ce sont des comportements qui pis mal parce que n'est qui en dehors. Mais y'a même y'a fait leur façon rusée. Y'a utilisé pendant y'a mangé là, y'a utilisé français. Pendant y'a mettre poudre dans poumon, y'a utilisé français. Pendant y'a mettre et poison dans bagaille là, y'a utilisé le français. Y'a fait zizi. Pendant y'a beau, y'a préparé complot pour y'a fait fusion là, y'a utilisé le français. C'est-à-dire que la ruse, en quelque sorte, est devenue un outil majeur que ti classement n'a gagné pour non seulement résoudre une série de problèmes, parce que lui pas qu'à réfléchir. Lui pas qu'à réfléchir, lui pas qu'à jouer une solution. Dans Brenny, parce que déjà, il n'a pas d'identité. Maintenant, il faut d'accord qui est celui d'abord pour commencer à poser des problèmes pour identité et puis pour qu'on ait pour résoudre des problèmes économiques. Il n'est pas capable. Maintenant, celle-là, ça a gagné. C'est logique, lui, c'est l'individualiste. Elle cherche une façon logique économique. Comment on va le faire là pour me faire ça et pas pour accepter. Et puis, il vient là, notre travail, il fout tout coup de poudre. Et puis, il vient là, notre travail, il vient détruire la roue. Et puis, il vient là, notre travail, là, il vend nous. Il met des bagailles sous lui. C'est ça la réalité de la vie, à part au presse, classe moyenne. C'est une classe qui est dangereuse. Là, on me dit, nous, ça nous c'est jouet. Maintenant, il faut comprendre que Sami Siabdia là, c'est diplômé analphabète, très dangereux. Ou bien on est dans la société haïtienne. Non, ou regarde bien, regarde sur les réseaux sociaux, ou après, yo en pile sur les réseaux sociaux, ou après, yo toujours balancé des petits bagages en français, yo toujours dit une série de mots en français. Et après, pété, ce sont des malades, des aliénés, des bêtises, des bêtiseurs. Mais là, comment se questionner, yo? Ouais, et puis, yo perd débat. Ce que j'aime, ça m'aime la caillou, yo perd débat. Bah, moudre nous bien, yo toujours pensé, yo connaît. Yo vini là, y'a ouvert moun sur les réseaux sociaux, vide des mots français, yo pensé yo ka impressionné. Et ça te mes réseaux sociaux.
Yo pensez au cas impressionné moun sur réseaux sociaux. Congéné yo pour montrer dimension irrationnelle qui gagne en réflexion, incapacité yo pour produire yo réflexion, yo pensée cohérente, solide et puis ou a gratter pensée à pour montrer yo pour mettre tout ami dans pensée à et puis yo gagne en mauvais. Premier bagage yo va vinn dou, oh oui oh oui, ou toujours propose qu'on est. Oh oui, ou toujours propose. C'est comme ça yo yé, ce sont des diplômés analphabètes. Qu'on expose yo mettre tout ni ou montrer yo une méthodologie, une façon à penser, ce sont des aliénés, ou entrer dans substance avec pour montrer que yo imbu de substance, yo pas gain substance là caillou, yo vide, yo privé de substance, yo pas gain rien là caillou, yo pas gain caractère, yo pas gain dignité, affaire humain, à ça yo décrit comme humain, yo pas gain là caillou, automatiquement yo fâché. Griff yo sorti, yo tombé joué, oh oui, ou propose qu'on est net, ça toujours pensé c'est l'issue mettre compte li, l'issue mettre compte pas qui dépasse l'école, et l'issue mettre ceci, c'est là, c'est le comportement. C'est le comportement qui vient yo gagne. Mais yo pi dangereux. Yo pas jamais parler tête yo. Yo pas jamais venir dire rien, yo pas jamais venir ceci cela. Plus grave. On poursuit. Au secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté. Tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça, ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés. Ça dit oui, mais on l'autre mot que des bipèdes décérébrés. Gogoze. Ouais, bon, monsieur, lui-même, lui, anti-jean souffage, j'avais utilisé des mots français pour l'insulter, négo. Des bipèdes décérébrés. Décérébrés, vous comprenez? Cérébral, c'est le cerveau, c'est-à-dire cognitif, c'est-à-dire cette capacité pour faire appel à l'intelligence, pour produire une réflexion solide, une réflexion qui profond sur un phénomène ou bon problème. Monsieur, il est au bipède décérébré. C'est-à-dire, nex, ça, il n'y a pas aucune capacité pour réfléchir au vide dans le cerveau. Ce sont des analphabètes avec des diplômes. Un gros problème, monsieur, celui-là. Et c'est une raison qui fait ou un exemple, y'a pas j'aime qu'à résultat dans la société haïtienne, là. Ou toujours, y'a là, y'a vide, y'a empty, y'a sans substance. Gardez bien pour, sur les réseaux sociaux, là. Y'a un crime qu'on s'est fait. Étranger, a condamné crime, non. Blanc dans l'autre pays, a prétendu. Des pays, y'a fait manifestation. Même en Afrique, y'a fait manifestation pour condamner le, et assassinat Jovenel, là, que tout le monde en est dans le monde entier. Consterné, même l'ONU, de son hypocrisie, trouvait que on a consacré que fait en dedans pays. Ton écrasé, chien, a remarqué, petit classe moyenne, et bipède, décérébré, ça, yo, des diplômés analphabètes, yo monté sous réseau, et puis y a font tentative pour justifier à là. C'est yon le plus gros problème qui vient là. Oui, bipède, décérébré, ça, yo. Yo vini, à un d'un diplômé analphabète, yo monté sous réseau social, yo a consacré. C'est la, elle a monsieur. Ça veut dire, pas parce que ouais, n'est-ce diplôme, il fait zizi, la fait zizi. Ça veut dire, des capacités pour le juger, pour le penser, non? Un gros problème, il s'est soulevé là. Ce sont des bipèdes, des cérébres, ils ont pourvu de toute intelligence. Run de toute intelligence. Parce que ça, il faut comprendre là. C'est pas parce que ouais, n'est-ce pas, il y a humanité, là, gars. Un gros problème, ouais. Un gros problème. Mais voilà. Un gros problème. En terminé, pour ne pas rentrer dans l'autre dimension. Ça veut dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Attendez, oui, il faut apprendre à penser. Là, la fondamental. Et ça me dit, ouais, élève, nous connaissons ça. Il y a quand même dit élève, très, très fondamental. Élève, au cas témoigner de ça. Parce que moi, mes étudiants, mieux en pile, parce que ce sont des intelligents. Nous t'ai toujours dit, nous, ma bas, nous fondamentaux d'abord. Et pas courir à le philosopher. C'est pas courir à le parler de phénomènes. Ce qui est important, c'est la méthodologie. Il faut apprendre à penser. La penser, c'est un apprentissage. Faut apprendre à penser. Pour penser d'abord, il faut apprendre à lire. Maintenant, il y a lire et lire. Faites attention, c'est gros causé. Parce que pour lire d'abord, faut lire nos langues. D'où les deux outils majeurs de la pensée. Qui c'est d'un côté la langue? Fondamental. Faut comprendre ça. Il faut maîtriser une langue. Il faut maîtriser une langue. Or, la langue, c'est un fait culturel. Toute langue inscrit dans une dynamique culturelle. C'est-à-dire, plus en tant que fait culturel, faut langue permettre ou saisir le sens de nos pensées. Ça veut dire, langue est important en tant que outil pour capable penser, pour capable réfléchir. Ceci étant dit, l'on réfléchit non langue étrangère, l'on réfléchit non langue qu'on pas maîtriser, d'abord, il y a une problématique. Parce que, ou pour qu'on résoudre problème identitaire là par rapport avec l'anglais, automatiquement, la difficile pour produire une pensée qui noble, qui solide, qui reflète caractère et personnalité et identité. Deuxième élément, c'est la raison, le bon sens et la logique. Même bien sûr que la mathématique, tout, ils sont outils de la pensée. Parce que toute forme de pensée normalement, ou il t'a supposé capable de traduire dans une équation mathématique, dans un langage mathématique qui est ouvert au caractère universel, qui permet à n'importe quel que soit côté de lui, capable de cerner son diable.
une formule mathématique. Maintenant, allez plus loin pour comprendre que c'est pas seulement ça, non, mais et le logos. Le logos est fondamental, parce que deuxième outil image là, c'est le logos, ce qu'on appelle la raison, le bon sens, la logique. Maintenant, logique, pour faire logique, pour comprendre bien logique, c'est-à-dire qui permet tout comprendre qui est l'objet de la pensée. Logique, l'objet de la logique, c'est la pensée. Maintenant, pour produire ça, pour comprendre le mécanisme, comment moun raisonner, comment moun venir aboutir le syllogisme, toute méthode ça, qui permet tout capable de produire une pensée qui solide, qui cohérent, qui clair, qui net, pour articuler. Mais faut comprendre, yo. Faut maîtriser la langue, parce qu'on pas qu'à raisonner en dehors de la langue. Ou pas qu'à réfléchir en dehors de la langue. Ou pas qu'à penser en dehors de la langue. D'où l'importance du créole. D'où l'importance de la langue créole. D'où l'importance et là où on a pensé en français à son allié, ou pas maîtriser une langue et pouvoir penser la donne, ou pas te lever la donne et pouvoir penser la donne. C'est-à-dire que au niveau mental, ou déjà un blocage, au niveau de l'esprit, de la pensée, ou déjà un blocage. Maintenant, ceci étant dit que capacité au gain pour transcender la langue, il faut avant tout d'abord maîtriser la langue maternelle. Faut maîtriser la langue maternelle ou d'abord. Maintenant, il est initié à réfléchir, à produire une réflexion solide dans la langue pour là. Maintenant, leur fin maîtrise la langue, qui c'est un élément indispensable dans l'identité culturelle. Maintenant, leur fin décapacité ça, ou capable de réfléchir, ou capable d'apprendre, ou capable de saisir leur fait produit, qu'on y a ou capable, si telle est la volonté, ou capable d'apprendre l'autre langue étrangère. Voilà, apprendre l'autre langue étrangère pour capable, avec qui objectif? Voilà, prenons langue étrangère. Voilà, prenons langue étrangère pour qu'à permettre ou découvrir d'autres cultures. Mal apprendre langue française, c'est une façon pour moi que nous capables à laisser cerner la pensée française, la philosophie française, la culture française, les grands savants français. C'est peut-être ça m'aller. Maintenant, pour me chercher, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre la culture française et la culture haïtienne? Qui ça qui gagne en dedans, bagaille français, à que moi-même, m'étais capable de voir dans la culture française avant? C'est ça, parce que la langue est une porte qui ouvre sur la culture. La langue, c'est une porte qui ouvre pour permettre au monde d'entrer et intégrer en culture. Et en Haïti, vous êtes tous des aliénés. N'est qu'à venir parler français, j'ai le point dessus. Si on a l'aliéné, on a le zombie. On a le diplômé analphabète, bipède, décérébré. Et le pire de tout ça, c'est que nous même dans la société, on a valorisé. Ouais, le problème, c'est l'aliénation. Tout le peuple est content. C'est là le problème. Ouais, le bien fondamental. Nous allons finir avec ça pour nous comprendre. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise, c'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains, je peux pas penser sans me mettre. Maintenant, mes chers amis, vous savez que, de fait ça, bien entendu, parce que c'est une, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une introduction. L'introduction, en quelque sorte, a duré plus de une heure du temps. Maintenant, nous avons besoin, nous, bien entendu, permettre à ce que nous y apprenions ce qu'est la pensée, comment penser, comment réfléchir, faire la distinction pour nous comprendre la réalité, là, je dis, le comportement de classe moyenne, ça, le comportement de classe. Aliéné ça, dans qui mesure n'est-ce qu'il y a aliéné. Maintenant, vous savez que toute haine ou est cap déchaîné beaucoup de mieux. L'homme, on n'a pas arrêté dans le film, mais il dit, ah, mais c'est, mais l'homme dit bobot, et puis, mon ami, ah, regardez, mon cher, mon cher, dit, mais c'est dit babat. Ah, mon cher, arrangez, bonjour, dis zozo. Vous savez, c'est tout le comportement de l'aliéné. L'aliéné est sauvage. Vous savez, l'aliéné sont bêtes qui, extrêmement sauvages. Les hypocrites, les sauvages sont bipèdes, décérébrés, qui pas même maîtriser. Ah, yeah! Mais en fait, il fait paraître technique comme qu'on est qui maîtrise un bagage. C'est le pire. C'est le pire. C'est un animal qui pique criminel qui te gagne. Il t'en des bobots, il t'en des oiseaux, il t'en des crêtes, il t'en des languettes, bon, l'estomaqué. Mais pas jamais de technique. Comment faire l'estomaqué pour bobot, il va l'estomaqué pour vagin? Comment faire l'estomaqué pour coco, il va l'estomaqué pour vagin? Comment faire l'estomaqué pour bob, pour languette, il va l'estomaqué pour bagage? Pendant ces temps, l'a fait l'amour. Il connaît pour le dire, Marie le pété languette. Dose! Aliénation, ça, son bagage qui tellement ancré dans la classe moyenne, non? Il devient dangereux. Et c'est là où, le problème. Dès pour commencer à trahir, c'est l'hypocrisie. Ou commencer à trahir objet à ta propre langue, ou il y a un problème avec. Ou on vagin, ou est bobot, ou pas vouloir le bobot,
ou qui t'en trahi propre langue ou trahi identité. This is problem, il est problématique. Parce que au niveau philosophique, il est très problématique. Pendant ce temps, c'est avec moi. This is the problem. Comment un mot fait problématique? C'est là tout problème, mais. Tout simplement parce que mon bobot là, c'est dans créole allié. Mais mon vagin, c'est français. Est-ce qu'on voit dimension culturelle qui est là-dedans? Mon cocoa, c'est dans créole allié. Mon vagin, c'est dans français. C'est-à-dire là, c'est la processus de domination mentale là, comme on dit. Il commence là. Et c'est ça que, et ça fait tine noir dangereux. Et ça fait timilatio, ou yo dangereux en pile. Il est dangereux. C'est grave. Maintenant, nous devons arriver avec nous sous question. Ordre mondial. Je ne sais pas si je fais travail ça en deux temps, si je fais live ça en deux temps, mais je fais le nécessaire pour me capable permettre nous comprendre quelques éléments. Je vais nous quelques éléments qui pour permettre nous analyser et comprendre événements yo en dedans pays d'Haïti actuellement là. Vous savez, élève moi yo connaît ça bien. Élève moi yo connaît que gen quatre systèmes là soit font analyse systémique de la réalité haïtienne, il gen non seulement interne et externe mais il gen quatre dimensions. Et m'a demandé élève moi yo pour mettre quatre dimensions ça, quatre niveaux. Il gen quatre niveaux la donne pour attaquer problème système là en dedans pays d'Haïti, quatre niveaux. Faites attention, si on analyse systémique qu'a fait, il y a quatre niveaux. Maintenant, nous devons nous parler de, nous-mêmes nous parler de Abba dictature économique. En quelque sorte, c'est dictature économique là qui est fondamentale, qui c'est concept clé. On voit qui c'est thème clé en dedans et formulation, problème et dictature, question dictature économique là et puis question Milat. Nous nous disons quatre niveaux. Premier niveau à qui c'est dimension et géopolitique et stratégique, bien entendu. Et puis, deuxième niveau, qui c'est dimension économique, là, qui, en quelque sorte, système capitaliste qui est imposé en Haïti, à très sauvage, avec une petite minorité, Milati ou Libanais qui est imposé. Et puis, deuxième niveau, c'est ça, je tape décrit à l'air, qui c'est une classe moyenne dangereuse. Et puis, vous avez troisième niveau, qui sont les victimes du système en général. Les victimes du système, ce sont ceux, en quelque sorte, le peuple et jeunesse haïtienne qui est victime en premier lieu de ce qu'on appelle système. Et raison qui fait ma piste, qui fait analyser, je veux dire, c'est parce que je m'étais de la clarté dans les esprits. Je veux être clair pour à ce que chacun qu'a comprendre comment l'air arrive dans la dimension ça, comment il est capable d'appréhender la réalité pays d'Haïti. Vous savez, aux alentours des années 1880, avec l'immigration, l'immigration des Syro-Libanais en dedans pays d'Haïti. L'important pour me souligner pour ça pour nous parce que grand pile dans nous qui pas comprendre ça veut dire. On va analyser premier niveau pour nous qui pourra le permettre nous comprendre. Mais pour m'analyser premier niveau pour nous, besoin nous analyser petit à petit pour analyser test ça. OK. On analyse ça avec nous va suivre bien ça qu'a fait là. Après premier niveau, on a campé là, bon, suis bien pour nous. Parce que vidéo, ça fondamental pour nous tendre et nous analyser là avec nous pour nous comprendre. Et, ou même, un conseille, ou même qui c'est étudiant en relations internationales, ou même qui c'est étudiant en géopolitique, étudiant en géostratégie et géoéconomie, il est important pour suivre deuxième étape niveau ça dans la vie. Il est important tout pour store. Pour enregistrer ça, parce que vous pouvez le comprendre. Avant de m'avancer dans la question, ça, je vais parler de la charte de l'impérialisme, ordre mondial. Il y a un peu de monde qui toujours posé cette question, à demander pour quelle raison, comment se fait-il que nous-mêmes haïssons, comment se fait-il on est quand la voisine, fait chrétien, la parler de Jésus-Christ, patati patata, et puis la parler de la Bible, ceci, cela. Maintenant, il faut comprendre bien, avant de m'aller plus loin, à mettre éclaircissement ça pour quelques incrédules. Là, monde qui connaît la Bible, qui connaît pas les, qui connaît la Bible, il a toujours remarqué qu'il y a un concept clé en dedans Bible, il y a les prophéties.
prophétie en quelque sorte, la regarder gon dimension de temporalité en dedans prophétie, gon dimension temporelle et gon dimension aussi symbolique. Symbolique dans le sens que gon discours, le discours prophétique, c'est un discours symbolique imagé. Maintenant, il faut comprendre que et discours ça li pas littéral parce que si on le comprend de façon littérale, li pas bon pour vous. Et l'ordre de prophétie, il est toujours inscrit non seulement, il est inscrit dans le passé, le présent et le futur. La prophétie pas forcément passé parce que il y a des prophéties qui étaient passées, qui réalisées dans le passé, mais aussi qui aussi récurrent dans le présent et qui gagne des aboutissements dans le futur. C'est-à-dire en matière de temporalité, faut mieux comprendre les phénomènes prophétiques pour pas jamais comprendre que un événement qui était passé par rapport à un discours prophétique, le discours prophétique peut à quelque sorte une temporalité qui dépassait l'événement et puis événement passé jeudi hein, mais still discolarité viable et puis là le passé événement reproduit encore, c'est-à-dire une dimension cyclique et une dimension répétitive en dedans, un caractère répétitif en dedans un discours prophétique. Maintenant attendez bien pour côté moi là nous connais nous-mêmes depuis souvent nous toujours à bouer monter nous pas jamais maîtriser grand pile monde qui a craser tête nous. Maintenant il faut savoir se situer Haïti. Il faut comprendre que dans le monde est divisé en civilisations. D'abord, c'est-à-dire, il y a des aires de civilisation. Maintenant, il faut comprendre que toutes ces sphères de civilisation, il faut comprendre où se trouve Haïti civilisationnellement parlant. Où se situe Haïti dans le champ, dans le conflit des civilisations. Il y a une bagaille pour nous apprendre qu'on est. Avec l'État pétion et les mulattos libanais dans le pays d'Haïti, Haïti, normalement, l'État pétion système, nan, le système haïtien, ça nous met en Haïti à l'occidental. Non seulement l'occidental, pour quelle raison? Parce que l'ensemble de cadres référentiels, nous, c'est l'Occident. Et si ensemble de cadres référentiels, nous, et champ symbolique, et dans le monde, là, dans le champ symbolique mondial, nous identifier tête, nous, avec l'Occident. Nous habiller même bien l'Occident, nous parler même bien avec l'homme occidental, nous manger même bien avec l'homme occidental, nous conformer, nous acte même bien avec l'homme occidental et nous penser même bien avec l'homme occidental. Ceci étant dit, en quelque sorte, l'Occident a exercé ce qu'on appelle une certaine influence sur l'esprit tinegnois tête graine en dedans pays d'Haïti. Maintenant, nous pas qu'à nier ça. Si vous niez lui, et c'est ça, c'est l'Haïti. Faut faire très attention, c'est pas celle Haïti. Il y en a une raison qui explique ça. C'est ça, au terrible, bien entendu, système système esclavagiste avec colonialisme qui explique phénomène et d'influence. Maintenant, pour comprendre bien, ça m'a dit là, qui explique phénomène ça. Maintenant, pour émanciper, pour sortir en bas bagage ça, en bas et influence occidentale là, c'est pas seulement suffit pour faire une révolution. La révolution haïtienne, certes, lui permet de nous arriver libérés, mais dimension mentale là, c'est-à-dire l'influence de la civilisation occidentale, culture occidentale là, les fondamentales rendent dans l'esprit nous, les empêcher nous réfléchir pour nous-mêmes. C'est-à-dire les viennent poser ce qu'on appelle le problème de crise identitaire très fondamental. Maintenant nous c'est à définir tête nous qui est-ce nous y patati patata. Déraciner yo mettez nous font révolution certes, nous battons Napoléon certes, nous avons une histoire. Histoire là à lui-même seul, à elle-même seule, il pas qu'à permettre que vingon identité cependant li ka permettre nous cultiver une sorte de sentiment patriotique, un sentiment d'appartenance mais en quelque sorte qui limité dans le sens où l'état que c'est l'état nation ça l'état ça que nation ça parler mais incarné à partir de notre histoire li vin problématique dans la mesure où l'état ça li retransmet au niveau local tout l'ensemble de cadres référentiels ça oui les cadres référentiels occident et puis pour dominer la réalité haïtienne. Maintenant ou même capable temps des vidéos ça mando pour prêter attention. Le monde gien on met le monde bagay yo pas passé gens ou vle dans le monde et m'a dit ça élève moi surtout étudiant yo prend note prend temps nous tendez ça m'va dire là pas gien rien qui passé dans planète là au hasard surtout les événements humain. Ceci étant dit que tout ça ouais qu'a fait dans planète là, les gagnons côté le sorti, les gagnons explication, les gagnons cause. Maintenant, comprenez bien ça moi le dire. Pour monde qui chrétien qui l'évangile, l'apôtre Paul dit bien, il dit que le monde, le Dieu de ce monde, et Jésus lui-même a dit que le prince
de ce monde. Ceci étant dit, les événements mondiaux, les événements à caractère mondial, planétaire, ils ont pas simplement été comme ça ou fait. Non. Faites attention. Il y a des forces au niveau spirituel qui ont orienté les événements, manipulé les événements. Maintenant, je vais rentrer aujourd'hui dans le détail, parce que l'on parle pas de géopolitique et stratégique, automatiquement en matière de relations internationales, tout et tout, l'histoire des civilisations, patati patata. Ou pral wè ke, ou pa ka yon bon analyste des événements mondiaux, sou pa prêter attention sous dimension mystique et spirituelle là. Brunel d'Haïti, mwa don ti bagay camarade, et mwa jam trop à l'aise avec moun. Mwa am trop zanmi moun, et c'est ça toi le m'a fait live mwen, m'ka bloquer moun à n'importe quel moment. C'est de quoi m'ba jam ouè devant bagay mwen, m'ba jam jouer avec moun. M'a attaché, m'a zanmi vagabond. Surtout haïtien ti nèg noir tête grande. M'ba jam fait bagay comme ça. Ouè les m'a surtout les m'a dispensé en connaissance. M'a gen temps pour vagabond. I don't have time. M'a pas dit temps. Ouè m'ba le bon seconde là encore. Ou juste bêtiser en bas là m'bloquer. Non, I'm serious, I'm not joking. M'ba jouer. Nous toujours penser nous gon comportement sarcastique à jouer avec bêtise pendant ce temps on paye 200 ans la noyé nous toujours 200 ans la noyé nous toujours gon petit comportement sarcastique ironique nous pas même valoriser rien nous comprendre nous gavin passer mon en bêtise ou lancer là encore foot bloqué I'm dead serious foot out foot out on va jamais valoriser un et nous tout ça sincèrement I'm serious on continue. So, maintenant, il faut comprendre que, dans la dynamique que nous entrons là, toutes les sources sont connexes. Ou pas de jamais minimiser, yon élément, pour bayon explication. Ça veut dire. Puis, go, jamais choisi pour dire que, tel élément, pi bon, nan, pour expliquer tel phénomène. De pour commencer par priorité, automatiquement ou entrer dans un jugement de valeur. Faut faire considérer chaque élément à valeur yo, et puis pour intervenir avec. Maintenant en avance. Dans la Bible on sait des bagages yo utilisé gon langage biblique yo utilisé surtout langage prophétique pour décrire les empires. Yo parler de bête. Nous peut dans Daniel yo parler de bête, dans Apocalypse yo parler de bête. Maintenant là on connaissance géopolitique et stratégique approfondie, ou pral comprendre pour qui raison qui ça bête. Yo par exemple dans la Bible il parle de bête. Bête dans Daniel, ou pral wè bête sa yo te représente les grands pouvoirs, les grands empires. Te représente Babylone, te représente la les mèdes des Perses, te représente la Grèce antique, yo te représente la Rome, ou comprend? Maintenant, ou pral wè on a Apocalypse tout, bête sa yo symbolisé, bagage sa yo. Reprendre ça, c'était des langages imagés que Dieu utilisait de prophétique pour le capable annoncer les événements, ou comprend? Capable arriver, capable avancer. De m'avancer. Qu'on y a maintenant, on comprend comment planète la dirige. Pour nous comprendre nous-mêmes qui sous 27 000 km², et puis nous gagnons plus de 10 000 habitants, et comment pays, comment le monde occidental la comprend nous, et comment yo tendez nous. On suit bien, et n'a pas les petits pas par petits pas. Charte de l'impérialisme. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Et vidéo ça a parlé de ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme, c'est un document qui était élaboré à Washington, j'aime bien, et document ça bien entendu je t'ai fait connaître que en pile monde fait comprendre que document ça pas existé vraiment mais en pile monde qui fait comprendre que ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie du complot. Comprendre bien ça moi dire la théorie du complot, c'est-à-dire que c'est pas vrai mais il ne disconvient pas que tout le monde d'accord que gon conflit au niveau mondial, que ce soit en guerre froide, gon bataille géopolitique qui toujours a mené au niveau de la planète pour la domination de la planète.
Et toute domination, ça va aller dans le seul sens, c'est pour le contrôle des ressources en dedans planète là. C'est une question de survie. Et il y a un élément fondamental qui fait l'ordre, dit Bible, en parler de bête. Bête là, c'est ça le fait, c'est la loi de la jungle. Bête là, toujours, il y a une capacité instinctive pour lui préserver espèce pour le survivre. Et c'est le comportement, bien entendu, de l'État au niveau géopolitique pour le capable d'assurer survie. Et regardez bien, la géopolitique, la théorie géopolitique allemande a été influencée par cette conception de l'État en tant qu'un bête, un animal capable de survivre, à la recherche, bien entendu, de domination des territoires, pour joindre des ressources, contrôler des ressources matérielles, pour le capable d'assurer survie et existence au niveau et planète là. Maintenant, on comprend bien ça, il y a dit là, ça l'avance. Il y a son document impérialiste que il y a été élaboré à Washington, dans, à l'époque, traite négrière là. Faites attention. Mais, ce qui s'advient passer à la conférence de Berlin en 1885, a remarqué 1885, c'est toujours la même période, c'est même période ça que les Syro-Libanais ont commencé à émigrer, à quitter et pays pour être capable de venir émigrer en Amérique latine, à fuir. C'est-à-dire les années de 1880, période ça, c'est période que en pile Syro-Libanais, en pile et Libanais, en pile Égyptien a quitté le Moyen-Orient, il a fui et l'Empire ottoman, et puis pour venir en Amérique à cause de croyances, pour venir dans l'Amérique, dans le continent américain. Maintenant, faut comprendre bien ce qu'a dit là, parce que le fondamental pour nous avoir une conception, pour une bonne compréhension de bagage qui a passé dans la planète là. Maintenant, la conférence de Berlin, ça qui a eu lieu en 1885, même période là, comme par coïncidence, n'est-ce pas préparé, ben là, pendant que puissance occidentale, qui s'est fait, il a partagé l'Afrique. Bon? Il a partagé l'Afrique. Comprenez bien ce qu'a dit là. Il a partagé l'Afrique. Maintenant, ceci étant dit, même puissance ça, yo t'es négocié secrètement. Partage monde là. C'est ce qu'on appelle la conférence de Yalta. C'est conférence de Yalta, ça, après deuxième guerre mondiale, que nèg yo pral déplacer, yo pral séparer mondial là. Les pays vainqueurs de l'après-guerre, ok? 1947, de la première guerre mondiale là. Ok? Dans la première guerre mondiale, les pays vainqueurs pral chita dans la conférence de Yalta, ça n'a yo pral fait, yo pral mette en place dans la société des nations, yo pral séparer monde là. Mais yo pral pas fin trop bien séparer bagay là, yo pral vin avec chat ça encore. Et bien, comme la société des nations SDN, c'est, papa, grand-papa l'ONU, automatiquement, yo pral vin avec l'ONU, à partir de la sortie de la deuxième guerre mondiale, pour être capable, bien entendu, d'asseoir domination dans la planète là. Maintenant, l'ONU a un rôle pour maintenir la paix, mais à comprendre que la paix a un bagage qui caché derrière. Il y a quelque chose qui caché derrière question la paix ça que en pile l'autre monde pas comprendre. Maintenant, pas oublier, l'on dit l'ONU ou FMI ou Banque mondiale ou UNESCO ou bagage ça, ce sont des outils, des instruments, le dollar américain, toutes ces accords là, toutes ces institutions multi-internationales, yo là pour servir bien entendu l'Occident. Quand je dis l'Occident, c'est pas seulement un concept occident civilisationnel, mais aussi c'est un concept qui inscrit dans une dynamique qui a une certaine diversité, mais une homogénéité en dedans Occident malgré une certaine diversité à l'intérieur. C'est-à-dire que où gagne l'Europe, les pays de l'Europe qui gagnent malgré ou fait partie de l'Occident, mais ils ont certaines modalités, ont différences de modalités, et puis ou gagnent le Canada, ou gagnent Nouvelle-Zélande, ou gagnent Australie, ou gagnent toutes sphères ça, les sphères anglo-saxonnes, ou gagnent le Commonwealth, et vous gagnent aussi les pays de base. Tout ça, ils fait partie des anciens pays. Les anciens pays de l'Europe qui étaient capables de dominer le monde et puis qui viennent babage. Maintenant, faites attention. Et faites attention, entendez, en allez pour nous. Bon bagage qui va le passer, en suivant pour nous. Dans chat, ça a décrit là. Ils négocièrent secrètement à Yalta le partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Disposition générale. Ça, c'est disposition générale là, en dedans des dispositions générales chat de l'impérialisme. Article 1.
devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est... Devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Dans des devises, dans des devises, dans bien. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. On continue. Diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne... Devise en dit. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Et notre politique est de diviser pour régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Maintenant, vous savez, c'est intéressant. Ou même dans qui beaucoup bagaille, ou beaucoup rive, non, c'est des bagailles. Des bagailles, ou pas qu'à comprendre dans le comportement impérialiste. Ou Joseph dit, en ou anti-impérialisme, ou pas vraiment fin de saisir ça, qu'a dit là, c'est fondamental. Ça seulement là, son thèse. Tandis bien, en dans des deuxièmes, non. En dans des deuxièmes, non. Ouan. Là, il divise, en dans des articles 2A. Constituer un État souverain et indépendant. Deuxième, non, dit, aucun pays du tiers-monde ne peut constituer un État souverain et indépendant. À faire où en majorité pays dans le monde, qu'on y a parlé de ce qu'on appelle, souveraineté, tant qu'on a Haïti, nous donne des souverainetés de l'État. Pour quelle raison, bien avec ça? Il y a des gens qui ont battu le problème. Ou attendez, des oppositions, t'as pas agité, colle, et vous tendez monsieur Leblanc sorti en note, et vous tendez grand monde qui, tout le monde saisit. T'as pas su que nous savons comprendre le deuxième article, ça, là. Nous donne des, oui, Lambert, et puis Lambert dit, dans la radio, il a travaillé pendant 25 ans avec Blanc. Avec M. Leblanc, il y a 25 ans, il a travaillé. Maintenant, attendez, on est qui, lui, c'est président Chambre Sénat en Haïti, et puis il fait 25 ans, il a travaillé à M. Leblanc. Au contraire, ça veut dire, comment est-ce que tu m'en fais une grande étude? On est qui, lui, fait 25 ans, il a travaillé avec M. Leblanc, ça veut dire qu'il y a 25 ans, c'est CIA. Et ça lié, ils sont informants. C'est ce qu'on appelle au niveau de cette déclaration ça monsieur fait dans radio qui fait ou pas servir à mission encore et m'a dit nous ça ces déclarations ça monsieur font Irène Djoli li dit la travaille pendant 25 ans avec Blanc automatiquement monsieur exposé tête comme informant monsieur tout non fusible yo mettez monsieur chita. You guys need to understand this thing. Faut nous comprendre ça. Oui merci le Sénat. Faut nous comprendre ça. Parce que si nous ne comprenons pas le mécanisme, nous nous avons couru. C'est ce qu'on appelle l'NXIA a fonctionné, il y a relé et targeting analysis. Targeting analysis, c'est un outil qui est utilisé pour target tout leader en dedans grand pays. Maintenant, il faut comprendre bien. Sami s'est dit dans la radio, il expose tête comme un informant. Automatiquement, il n'y a pas servi à la mission encore. Il n'y a pas banni ses passés. C'est clair. Parce que normalement, c'est un bagaille. Monsieur était supposé être discret. Monsieur était supposé être bagaille et fermé. Automatiquement, il a retiré monsieur. Dans l'équation, il n'a pas servi à monsieur. Parce que blanc, gon bagaille, la cali. Blanc, gon bagaille, l'état. C'est ça où l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est ça où prend comme si on gagne le monde pour y garder une data. Les wap collecter intelligence, automatiquement, on va servir avec le monde. Pour garder une data, c'est-à-dire pour collecter des données, des informations, et c'est ça, yo, ou je n'en même l'autre monde pour ban. Entendez bien. Ce qui est important dans le bagage, ça, c'est que l'émissier dit ça, là, ou va le remarquer, après quelques temps, le comportement du monsieur Leblanc va l'évoluer. Comportement blanc va l'évoluer. Raison qui fait comportement blanc va l'évoluer, c'est parce que blanc t'es fini, dit comme ça, que pour président Sénat, et si Claude, avec Ariel mettez tête ensemble pour mettre tête ensemble pour jouer une solution de sortie de crise. Maintenant Ariel sorti et Lambert paraît tête il fait déclaration ça, il efface monsieur dans l'équation. Il efface monsieur dans l'équation. Si Claude lui-même a fait une déclaration si Claude a fait, il vient fragiliser position. Faut nous comprendre bien ça qu'a fait là. Si nous pas comprendre l'équation ça yo, n'a toujours fait, n'a toujours été, n'a fait tintin.
Vous entendez? A toujours été dans fait intérêt. Si Claude a fait une déclaration, déclaration Michel fait là, automatiquement, remettez en question leadership de Claude. Et c'est un nan bagage qui va le faire que, yo, et même blanc, ça va le retirer l'école, il va le mettre Claude sur côté, et puis il va le venir avec et Ariel. Raison qui fait le pas venir Ariel, c'est parce que ni Claude, ni Lambert, yo tous les deux, gagnent un comportement qui est blanc va aimer. Claude dit une série de bagages qui paraît bizarre. Et Jean paraît bizarre là, blanc papa le prend chance avec Claude. Blanc pas prend chance avec Claude parce que normalement Claude montre qu'il y a trop émotion, il y a trop sentiment, il y a trop trop cœur et puis donc c'est des bagarres il dit comme si pour tuer, mieux mettre assassiner. Là ouais un petit côté childish la monsieur parce que si ou si on chef en gouvernement il y a des bagarres ou pas qu'à dire pour mettre tuer complot il ou qu'on est complot gros non. Jobou c'est make sure que renforcer les institutions, jobou c'est make sure que ou faire appel ou mobiliser les ressources pour assurer sécurité population, pour mettre population en confiance, pas capable d'ici une fusion, moi c'est ou cap et ou là pour justice et pour dire mettre assassinat. Ça c'est bagarre contradiction. Blanc commence ouais comme si monsieur un gens déstabilisé, blanc ouais monsieur choqué dans certains sens, blanc éliminer monsieur dans l'équation. Deuxième élément, blanc considéré, blanc vient avec et Ariel. Parce que lui Ariel lui au moins Ariel paraît un petit genre beaucoup plus mature. Faut nous remarquer Ariel a un comportement qui anti genre neutre comme si ou pas contre ou pas qu'à situer Ariel. Comprendre bien oui? Ou pas qu'à situer Ariel mais Ariel là ou gagne t'en comprendre ou pas besoin craser corps Ariel gagne ou gagne t'en connaît c'est blanc avec Ariel. C'est blanc campé qui bat Ariel. Maintenant, le seul pour nous comprendre dans bagage ça. C'est que yon nan bagay pou nan sa wè sou di a la. Nan article 2, aucun pays du tiers monde ne peut constituer un état souverain et indépendant. Aucun pays. Et nan yon mèk chou ke yon mette politique sa en place nan dedans pays d'Haïti qui sont pays du tiers monde. Et comment yon ren pays a li pa indépendant? Le target ça relé leadership pays là. Le target tout négoué qui dans tête l'état. Tout négoué qui appelé classe politique là, c'est yo yo target. Ça veut dire pays d'Haïti normalement, depuis yo récupéré leadership pays là, depuis yo récupéré ça yo relé leadership pays là automatiquement pays là pas indépendant. Pays là pas fonctionner vrai. Nous pensons que c'est joué, on continue pour nous donner. On continue. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Nous donnons le troisième article là. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde dépend de nous. Et qui l'exerce par les dirigeants locaux, qui ne sont que nos marionnettes. Mais ça n'a pas assisté, je vous dis à la. Article 3, c'est lui qui a pas appliqué actuellement. Dans le pays d'Haïti. Article 3, ça va être là, c'est lui qui a pas appliqué là. Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde dépend de nous. Et qu'il exerce par des dirigeants. Ça veut dire, il a parlé des classes politiques, non? Qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Et c'est ça expliquer qu'il faut ouais opposition hein, malgré le mettre président provisoire au bagage dans palais. C'est ça fait opposition malgré où elle gagne il gagne mécène, yo gagne ceci, yo ne bagage dans palais. Pas de yon qui ka aller dans palais. Comprenez, mesdames, pas de yon qui ka aller dans palais. Yon dou toutes ces marionnettes net. Toutes ces marionnettes. Toutes ces mythes. 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 Toutes ces mythes.
tout événement ou être gagné dans le pays, tout sort de décision de prendre tout sous contrôle. C'est ou même petit nèg matin qui pas connaît. Dernier crasse sous contrôle. Dernier crasse nèg sous contrôle. Pas gon nèg ou ta vinn propose politicien, ceci cela, tout ces bullshit. Et c'est yon nan problème qui gen. Le jour yon dirigeant en dedans pays d'Haïti, t'arrive au timon des affaires de l'État. L'État gen un comportement anti-impérialiste. L'État gen un comportement contre article ça. L'État vle pays l'indépendant, autonome, souverain. L'État vle institution marcher selon les normes et les principes démocratiques que peuple a régi automatiquement nèg sa tout non dictateur. M'bal moutre nous, nous gen pas penser c'est moi qui dis. M'bal moutre nous. Et moi qui dis, comme nous parlons de monter, nous parlons aussi de jouer même pas. Nous parlons de donner, article 4. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles. Avez dit, il y a qu'à diviser tout pays en dedans monde là. Tout pays en dedans monde là, qu'à diviser. Du tiers monde, tous les pays du tiers monde. Ça veut dire, y'a qu'à faire guerre là, y'a qu'à péter une guerre entre les États, entre Haïti avec Saint-Domingue, et puis s'entendre à frontière, frontière Saint-Domingue déplacée, l'été, puis près, qu'on y a le vin, puis loin, et puis, nous perdions nos soutes. Tous les pays du monde sont divisibles. C'est-à-dire, c'est le caractère de l'État, y'a qu'à pas attaquer. C'est-à-dire, de ce qu'on appelle le caractère indivisible de l'État. C'est lui, y'a attaqué là, y'a dit, tous les pays du tiers monde sont divisibles. Et ben, c'est l'homme qui là, non? Et la frontière déplaçable selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Ah bien, gardez-vous. N'est-ce qu'on utilise un outil, y aurait les concepts humanitaires, respect d'intégrité territoriale. Pour yo gade, yo ni kontre la kayou, yo entre sous forme, yo entre sous forme, yo entre sous forme la guerre, ou pas avec qui tu entre, yo entre avec la guerre, yo entre avec militaire, yo fout déclarer la guerre, ou pété moun dou. Deuxièmement, ou pas avec yo vini sous forme ONG, yo envahi Boboto à ONG, yo pété moun dou avec ONG, automatiquement yo entre ou prend contrôle. Ou pas avec yo fout occupation dans moun dou, yo vini sous forme l'ONU, yo créer crise, yo entre de. Eh ben, ti l'obéi là. Et on va parler d'intégrité. Bon, ou qu'on ça pire dans toute bagarre là. L'on parle d'intégrité territoriale. Ou qu'on ça au fond, yo créé une situation, même c'est ou même, qui invite yo pour venir dans le pays. Ou même encore, qui pourrait éviter yo, venir dans le pays. Regardez. Où est Aristide Taptoune? Aristide, vous mettez en bas. Aristide, si y'a en bas, sur Haïti. Deuxième, ouais, j'en ai gros, pas mieux. Deuxième, Aristide a tourné, c'est blanc, quoi, qui mène Aristide. Ça veut dire, ou non, situation côté que intégrité territoriale ou a toujours violé. Ou a toujours besoin, messieurs, l'impérialiste, quel que soit, j'en voulais, j'en parlais, y a, ou a toujours besoin, en dedans pays d'Haïti. Ou a toujours besoin d'un tiers monde. Le jour qu'on campe face à Venegio, y a démantelé, y a mis des âmes dans le monde, y a espionné, y a déstabilisé, y a crasé pays à dans le monde, y a tout fondé, y a foutu coup d'état et souvent c'est y a pas assassiné sous pouvoir. Y a pas assassiné. Maintenant qu'on y a un pays d'Haïti, les gars journalistes étrangers, les gars ONG, et les gars corps groupe. Où est-ce que corps groupe qui a décidé? Où est-ce que corps groupe qui a mis le gouvernement? This is not a game, guys. C'est pas jouer qui là, non? C'est qui là, non? Ça cap dit là. C'est qui là? Article 4, non, ou beaucoup même non, ou beaucoup même non, vous attendez? Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité. Attendez bien. Nous même nous fous. Les nous gardes nous et négio dans des gens qui gagnent comme yo dans banque en France, en Suisse,
dictateur africain qui comme en Suisse, dictateur adieu, nous donnez la Suisse, yo gelé l'argent Jean-Claude, nous donnez oh oui, messieurs nous yo à l'acheter caille, là où mettez comme en dans la banque, quand vous avez dit, c'est même yo vinné, vous donnez nèg l'acheter gros caille, là investi dans pays ça yo, là mettez gogo zi qu'a fait ça. Ça veut dire y a pillé dictateur de piller l'argent, piller pays et puis al mettre l'argent dans pays. Pas rien anti là-dedans. Et ou pas dedans pour qui raison? Tendez pour qui raison le doit payer? Sécurité de nos intérêts. Cette forme. Sécurité de nos intérêts. Pour qui raison ça veut dire comme sécurité de nos intérêts? Là on vient mettre l'argent yo dans banque yo occidental yo. C'est de quoi là au passé dictateur a un lord. Dictateur a pas voulu. Et puis automatiquement yo freeze l'argent dictateur ça pour faire marcher sécurité y aurait sa sécurité des intérêts intérêts là tu as dit dictateur mon cher politique ça mené en bas bon changer politique un dictateur a dit non pas d'accord c'est bagaille peuple m'a réglé c'est bagaille pays m'a réglé bullshit qu'on y a doué mais OK pas problème premier bagaille yo fait freeze kobou yo freeze kobou te gagne dans toute banque Occident, ou pas ni accès à l'argent. On a depuis yo fin frise kobou qui s'est passé yo bloqué yo. Quand yo pas ni l'argent. Quand yo di ou aprete en dedans pays ça ou fait yo utilise yon l'autre force espion pour déstabiliser ou. Deuxième bagay yo fouton sanction monétaire. Yo pa ba yo met en bagou sou. Et pas ti jwenn a fèt la non, camarade. Asi nèg yo a intérêt y a protéger intérêt yo. Pas ni jwenn la. Il nous servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance et d'aide au développement aux pays du tiers-monde. Attendez bien. Même comme ça, les gars prennent au métier dans la banque occidentale, dictateur. Avec même comme ça, les gars utilisent pour y avoir aide, assistance, pour y paraître comme bon Dieu, pour y avoir aide au développement, aide ceci, cela. Écoutez, si vous êtes là, vous venez sous toute forme. Kadi, comprenez bien le mécanisme. Vous utilisez dictateur pour voler, pour casser banque, l'État pays, pour prendre comme ça, vous mettre dans la banque la caillou. Et puis vous même encore, prenez même comme ça, et puis vous venez d'où comme ça que bon aide, on a bon aide, aide économique. Eh, n'a bon aide de au développement, on va nous mettre au NG, ou on va nous, ça veut dire, on met dans nos situations, mesdames, de ruse. Ça veut dire, ou pas, j'aime qu'à sortir. Ouais, non, j'aime qu'à sortir. Des régimes politiques. Article 6. Régime politique qu'on y a. Nous tenons disposition générale. Maintenant, nous pourrons parler de régime politique. Entendez ça bien. Article 6, pour traiter question régime politique. Ça nous a parlé, là, c'est disposition générale. Il y a 7 articles qui ont rapport avec la disposition générale. Maintenant, nous pourrons entendre ça y aurait les régimes politiques. Comment est-ce que vous comprenez régime politique? Entendez. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial. Négo dit, dans l'article 6, tout pouvoir que nous-mêmes nous établis, l'illégitime, l'illégal, l'illégitime. Mais, depuis ces pouvoirs, régime que nous pas mettez nous-mêmes, li pas ni démocratique, li pas ni légitime, li illégal et li dictatorial. Ça veut dire. Ça veut dire, en 1991, les Aristides fait monter, nous sortis en masse dans le voter Aristide de façon démocratique. Tout le monde bat bravo. Nous mettons un régime démocratique. À blanc fait. Ça n'est que fait. N'est-ce que dit, ouais, le régime ça là, il va nous mettre, il va gagner des démocratiques. Le foot mission coup d'état dans le monde. Ils disent, ah,
pendant le film babisé dis c'est un autre grand problème qui gagne alors l'aime dit nous ça parce que et a fait toujours dit les moyens m'quitter premier niveau pour me traiter avec nous puis devant parce que il faut d'abord résoudre les contradictions internes de quoi pour gagner force après ça me va montrer nous pour qui raison comment le Vietnam du Nord t'es arrivé qu'un bêtette avec les États-Unis dans la guerre. Mettez les États-Unis d'ailleurs dans la guerre. Mal montrer nous ça pour nous comprendre les batailles comme on bataille. C'est ça que fait ouais. Nous même a fait bagarre qui extraordinaire pour nous comprendre bien. En dedans des deux jours. Quelle que soit sa forme et sa légitimité. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Tout pouvoir qui s'oppose à pas moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même. Par le fait même que pouvoir expose. Par le fait même que pouvoir même a fait résistance. Où il a perdu légitimité, légalité et crédibilité. Il doit disparaître. Il doit disparaître. Quand il y a un gars des pays, qui pays, un gars de la planète là, qui pays qui a fait résistance avec tout ça dans la planète là. Et puis que vous qualifiez vous de illégal, illégitime, vous perdez crédibilité au niveau planète. La crédibilité à lui-même, c'est médias internationaux, vous ne pouvez pas perdre crédibilité. Légitimité à, c'est médias qui parlent de son gouvernement dictatorial, c'est là. Et légalité à ce qu'on pas conforme. Et puis vous dites il doit disparaître, régime n'en doit tomber. Qu'on y a nous pas le comprendre, si nous pensons que c'est ma nous là, allemand de Kadhafi, allemand de Saddam Hussein, allemand de Timothée Iran, allemand de Corée du Nord, allemand de qui va? Comme c'est moi qui le dis, allemand de Laurent Gbagbo, mais ça m'a dit nous là, nous pas qu'à étudier ces événements dans le monde là, pour nous pas comprendre qui mécanisme qui cache derrière. Et ça, et problème, ça me dit, avec plus n'est qui dit, étudier géopolitique, stratégie, relations internationales, n'est que là, le bourré monde a l'endé dans ses dix, dans ses dix avec, dans ANDC, et puis le sautil de Gonzalo, ses diplomates. Mais qui sont diplomates là? Bon, moi, je me connais libyen diplomate. Mais qui sont diplomates là? Mais j'ai vu une vidéo là, d'où les diplomates. Mais qui sont diplomates là? Mais qui sont diplomates là? Ouais, je me connais comment planète là fonctionne aux diplomates. J'étais à la paix des rangs, ni, fais ma kak, mettons, c'est des petits pantalons, c'est des petits costumes, c'est sous, ou à pas prendre protocole, faire caca, ou du diplomate. Et qui est un diplomate, là? Et un diplomate, là? Ou un bon libyen, même, ou un bon débat, ou un bon de diplomate. Qui va t'aller? Ou c'est des petits pantalons, c'est sous, ou à l'ANDC, ou à, ça, ou est l'école? Ça, ou est l'école? Y a parlé de l'école, côté élite mondiale, la réunie, y a décidé pour planète, là, ou même, on vient parler de ANDC, ou on vient parler de petit côté, y a pas prendre, nous mettre petit costume à cravate, ou on vient parler de protocole, ou on vient dire, ouais, bah, moun fou a fait. Bon, bah, que l'État va parler de diplomatie. Ou bah, que l'État va parler de diplomatie. Bon, bah, souverain. Ou bah, on l'État souverain, ou bah, on l'État indépendant, ou va parler de diplomatie. T'as dit, t'as le monde fou. T'as dit, moi, mais pour être un peu m'appris, n'est-ce pas? N'est-ce pas, m'y a l'État, n'est-ce pas, oui, la diplomatie, ou la diplomatie haïtienne. What the fuck, y'a la diplomatie haïtienne? Eh, ben, qu'elle est. T'as dit, bah, moun fou net, oui, n'est-ce pas, oui, nous avons de très bonnes relations économiques, ou bien de très bonnes relations économiques. Ou pas, t'as dit, moun, nous tellement imbéciles, nous avons de très bonnes relations économiques, ou nous avons de très bonnes relations économiques avec Saint-Domingue. Bah, moun, il est très, balance commerciale ou avec Saint-Domingue, il déficitait. Balance commerciale ou avec Saint-Domingue déficitaire pour gagner ou d'où gagner de très bonnes relations économiques avec Saint-Domingue. Ou pas son dalmoun imbécile qui n'a pouvoir. Ou pas son dalmoun imbécile dans diplomatie. Pour n'a glacampé le doux, nous avons de très bonnes relations avec République Dominicaine. Pendant ce temps, balance commerciale ou avec République Dominicaine ni déficitaire. De République Dominicaine a bamba y bobotou avec marchandises. La bamba y paye avec marchandises. Qu'on n'y a pas qu'à produire un mètre et vous dit balance commerciale ou ap dit comme ça, oh, nous avons de très bonnes relations économiques avec diplomatiques avec République Dominicaine. Ça veut dire qu'on côté privé, m'a demandé, est-ce que c'est caca poule qui n'a tête, yo? Ou bien est-ce que c'est vel, yo, c'est dans le monde, yo, pour dire de très bonnes relations
Moun nan pays ou, agriculteur nan dedans pays ou, pas ka manje, pas ka bre, ou pas ka planter, à cause de République Dominicaine, kap envahi pays ou, avec produit, et kap produit dominicain, qui empêche de, haïtien, produit, et puis, nègla, d'où, li kopé nan radio, nan télévision, li dit, oui, nous avons de très bonnes relations économiques avec la République Dominicaine. Bon, kote, kote, j'en de moun sa ou sorti. Mais est-ce que nous sérieux, messieurs? Est-ce que nous sérieux? Est-ce que nous sérieux? Nous m'en calais avec vous, monsieur. Nègla kapel dou comme ça. Oh oui, nos amis. Attendez, nègla kapel dou nos amis, les États-Unis, la France, le Canada, nos pays amis. Mais what the fuck? Mais haïtiens sont politiciens, nous, ils ne pas respecter figi moun du tout, non? Ou kon ki lèm vin, mal ban yon ti bagay. Ou kon ki lèm vin comprendre, ou kon ki lèm vin comprendre ce yon di nèg. Se comportement nèg yon m'a gardé vis-à-vis de Trump. Tenez bien. Au niveau international, pas des amis. Au niveau international, il y a des intérêts. En toute relation internationale, par exemple. Et c'est l'Haïti qui m'a dit qu'il parlait des amis. C'est celle en Haïti qui m'a dit corps groupe. Et c'est en Haïti qui m'a dit corps groupe. Et c'est en Haïti qui m'a dit, oh oui, nos amis. Oh, nos amis, nos bailleurs. Il y a trois mots où nous jouons des gars à utiliser. Corps groupe, nos amis internationaux. La communauté internationale et puis bailler des fonds. Mais c'est si la même la chivre, oui. Nous dit la fait pays. Mais si, bon, où est-ce que vous avez passé? Mes chers amis, c'est un plaisir, vous me dites avec nous. C'est un plaisir, vous me dites avec nous. Vous me dites, so. Et, vous me dites, vous me dites, vous pour étudiant. Vous me dites, pour étudiant. Vous me dites, vous me dites, étudiant, vous me dites, vous me dites, vous me dites, vous me dites, je vais aller étudier avec nous, géométrie, géopolitique et stratégie. Bah, il s'en va bien. Non. Il s'en va bien qui valorise. Nous avons classe jeudi. Hein? Pas oublier étudiant, nous avons classe jeudi à 4 heures. Elle prépare nous. On pita m'a dispense son cours pour nous plus tard. Faire révision générale tout. So, guys, c'est un plaisir vous d'être avec nous. Remet nous en pile on pour nous comprendre sur des bagages comme je dis là. Ouais, on va le mener nous. On va le mener nous. Pour me faire nous comprendre l'assassinat yo venir là. On va le mener nous pour nous faire comprendre l'assassinat journal là. On va faire une analyse systémique avec nous pour m'aider nous pour nous repérer, pour nous un cadre référentiel pour nous comprendre. Pour nous faire comprendre en série de institutions comment bagaille est imbriqué. On va faire en série de bagaille fait. Mais je m'a dit non petit bagaille. Bagaille gauche non frère. Kamara deba mba repoche mba on seul bagay mwen konnen si nèg nou a tèt gran camarade pou mete valeur sou sa fè ayisyen pa bèt ki konn valorize bagay moun. Mes chers amis, c'est un plaisir pou m di avec nous. Passez bon après-midi et pa bliye étudiant yo nou la pita à 4h. I love you guys. Mwen men nou kembe la, pa dikouraje. Ciao.